Bonjour. De nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. La salle du café est remplie de fumée de tabac, de bruit et de verres qui s'entrechoquent. C'est là qu'arrive le public peu séduisant qui n'a pas les moyens de boire du champagne au restaurant de l'hôtel ou qui préfère simplement les chansons légères, les pamphlets amusants et les danses obscènes. Tout le monde n'est pas obligé d'écouter Mozart. Après tout, il y avait des marchands, des nobles avec leurs dames, deux marins et un groupe de joyeux cadets en casquette et uniforme blanc. Certains perdaient une partie de billard dans la pièce voisine, d'autres étalaient des cartes sur la table, espérant gagner de l'argent facile avant le début de la représentation. Dans le recoin le plus sombre, il y avait une compagnie de jeunes gens, adossés à leurs chaises. Deux très jeunes femmes y étaient assises, vêtues d'élégantes robes de soirée et silhouettées comme des déesses grecques, coiffées de leurs chapeaux colorés et de légères bottes en feutre qui masquaient la partie supérieure du visage. À côté d'elles, jambe contre jambe, était assis leur soupirant, un beau jeune homme vêtu d'une veste et d'un gilet noir et coiffé d'un chapeau à large bord. Les filles chuchotent entre elles et gloussent doucement, jetant de temps à autre un coup d'œil au cadet. Le jeune homme, quant à lui, dessine indifféremment quelque chose dans son carnet. Il ne jetait qu'occasionnellement un coup d'œil en direction de ses compagnons. Émilie. Auras-tu assez de vin ? Enfin, dit-il en rangeant ses croquis. Il faut que tu nous ramènes à la maison. Monsieur Paul, vous n'êtes pas d'accord ? Je suis ivre, je conduis mieux que vous, sobre. La fille était charmante, elle souriait, montrant ses grandes dents blanches. Oui, et elle était elle-même uniformément grande et rasée de près. Sa peau basanée et ses cheveux bruns bouclés ramenés vers l'arrière trahissaient quelque chose de peu russe. Des cuillères, je me souviens. Une autre est arrivée avec de la fourrure, se couvrant la bouche avec sa paume et faisant des clins d'œil au champ à travers son voile transparent. La seconde jeune femme avait un visage de poupée, comme si elle était faite de porcelaine et mesurait une tête de moins que sa statuesque amie. Ensemble, elles formaient une paire assez amusante. « Ma chère, vous savez que Monsieur Paul n'aime pas s'en souvenir. » Émilie regarda son amie d'un air de reproche et elles se mirent à rire toutes les deux. « Vous avez des blagues d'adolescente. Vous devriez peut-être grandir. » Et enfin, bâilla le jeune homme, cachant mal son sourire. Apparemment, l'aventure en mer a été très amusante. Qu'est-ce que je fais ici ? Il aurait mieux valu dormir sur la route ou voir ta mère en colombe, accompagnant des jeunes filles qui ne peuvent pas sortir en public sans cavalier parce qu'elles seraient considérées comme des prostituées, remarqua Camille. C'est ce que tout le monde considère comme une prostituée d'ailleurs ? Paul fit un signe de tête en direction de la salle de billard. À ce moment-là, le tourbillon dans le lit teinté d'or volait déjà vers leur table, se transformant en blonde, richement parée de bracelets et de colliers brillants. « Qu'est-ce que je vous ai dit ?» lit joyeusement aux nouveaux arrivants son visage couvert de taches de rousseur. Et de s'extasier, « J'ai gagné 30 dollars au poker. »« J'ai gagné 30 dollars au poker. »« 3, c'est beaucoup, Paul. » « Eh bien, pas tant que ça, » répond le jeune homme paresseusement. « Mais peux-tu payer le vin ?» Elle roule des yeux blonds, fixant la table. « Pourquoi le ferais-je ? C'est moi qui ai payé pour toi, mon garçon. » La blonde appelle le serveur. « J'aimerais un shot ou une bouteille de rhum blanc pour la jeune femme. » « Prenons une bouteille. » « Comme on dit, on sort, on sort. » Enfin, la scène en coulisses commence à s'étendre lentement. L'orchestre joua un air populaire du port et des danseuses en lit, en jupe et en bas rayés coururent sur la scène. « Regardez, je m'amuse beaucoup. Je vais monter moi-même sur la scène, » dit encore. La blonde en avalant un verre de rhum et en tapant le rythme avec les talons de ses exquises chaussures beiges. « Tenez cette folle, parce qu'elle va en reprendre. » Camille fit un signe de tête dans sa direction. Gloria ne sait pas s'amuser sans scandale. « Tu ne sais pas du tout t'amuser ? Toute la nuit, tu as essayé de les mettre. Tu n'as pas le courage de venir ?» La blonde Gloria secoue la tête et ses cheveux s'étalent encore plus. Se levant rapidement, elle se tenait déjà à la table où buvaient les élèves du corps des cadets qui venaient de revenir en ville après les vacances d'été. « Oh, merde ! » Émilie chuchota, « J'ai un mauvais pressentiment. » « Moi aussi, j'ai un mauvais pressentiment. » confirma Camille en détournant son regard de Gloria,
qui agitaient les bras avec inspiration en direction des cadets, qui soufflaient soudain comme des chevaux, jetant des regards intéressés sur les filles. En une minute, trois d'entre eux se dirigent déjà vers leur coin. Les jeunes hommes portant les casquettes semblaient avoir moins de 18 ans, mais ils avaient la tête haute et une attitude arrogante. Leur chef, un jeune homme roux aux épaules larges, s'avança, mais ne rit pas. « C'est donc toi le Russe. » Il s'est placé juste en face de moi, l'évaluant du regard. « Disons, » dit la jeune fille à contre-séhure, en serrant à peine le cube. « Mon oncle est mort à la guerre. » déclara-t-il bruyamment, à contre-courant de la musique. « Tu crois que c'est moi qui l'ai tué ? » ?»« Je n'avais pas plus de 6 ans. » Camille parlait calmement, s'adossant à sa chaise et regardant le garçon qui la dominait. « Eh bien, tu dois répondre des péchés de tes parents. » Il serra les dents, se penchant encore plus bas sur Camille. « Tu as frappé la fille ?» demanda Émilie avec une feinte appréhension. « Sinon, j'encaisserai ma dette, » dit le cadet, et saisissant Camille par le menton rond, il l'embrassa. La suite se déroula si rapidement que l'animateur n'eut même pas le temps de terminer son court monologue. Camille se leva d'un bond de sa chaise. Sa robe de soie se teinte doucement de violet dans un bruissement. Le chapeau s'envola de sa tête, révélant un visage de porcelaine et une chevelure parfaite. D'un geste rapide, la petite fille plaqua le cadet contre le mur de velours battu. D'une main, elle lui enserre la gorge et de l'autre, elle appuie sur sa poitrine. Gloria frappa ses mains l'une contre l'autre, ravie. « Enfin, tu t'amusais toi aussi. Mais Camille est toujours si peu aimable avec les hommes. Laisse-le partir. Arrêtez !» Paul intervient. Il lui mit un chapeau à large bord sur le visage. La voix du jeune homme était basse et rauque, du genre à étouffer tous les bruits. Elle lâche les chatons, termine, et ses compagnons regardent avec inquiétude la frêle jeune fille qui a si vite fait taire leur ami. « Tu ne t'en sortiras pas si facilement. » Le garçon s'assit. Avec dépit devant la jeune fille et se fendit le cou. C'est la fille de l'ambassadeur. Se levant de son siège, Paul se tourna vers son grand-père. « Si vous voulez plus d'ennuis, il n'y aura pas seulement des techniques de kung-fu, mais aussi des samouraïs avec des épées. » Les cadets en ont fait les frais et se sont précipités sur leur siège sous les cris bruyants de leurs camarades. « Quelle merveilleuse soirée !» Gloria a apporté un verre à liqueur. « C'est dommage que la poussière ait encore gâché tout le chalet. Tu veux aller te promener ?»« Pro, vole Camille. Alors laisse-moi te tirer les verres du nez. » Ils se mirent en face l'un de l'autre, prêts à se donner des coups de griffe. Un sourire se dessina sur les lèvres de Gloria. Camille serra les dents. « T'as un problème avec les mecs ?»« Je pense que oui. » Ou est-ce que tu es toujours terrifiée par eux ? Je suppose que tu ne feras jamais une vraie femme. » Camille était prête à oublier qu'il se trouvait dans un restaurant bondé et non dans un gymnase à tatami. Mais Paul s'interposa, écartant les mains. « Je crois qu'on ferait mieux de payer et de sortir discrètement. Nous sommes déjà au centre de l'attention. » Les filles regardent autour d'elles et hochent brièvement la tête. Au lieu d'écouter la chanson qui se jouait sur la scène, tous les clients étaient rivés à leur coin sombre. Même Gloria n'a pas protesté cette fois. Ils posèrent l'argent sur la table et s'apprêtèrent à sortir. Une foule de cadets leur barre la route. Cette fois, ils étaient 2 fois plus nombreux. « Tout d'abord, » dit l'un d'eux. « Il y a longtemps que nous ne craignons plus les ambassadeurs. »« Quel imbécile !» riposta Paul. Il fait un clin d'œil aux filles pour qu'elles se dirigent vers la porte. Pendant que le garçon réfléchissait, le bras de quelqu'un a balayé les champs, quelqu'un a renversé une table sur les cadets. En un instant, tout le quatuor courait déjà vers la sortie, renversant les pieds des serveurs et attrapant les chapeaux d'honorables. Marchant. La voiture était garée un peu plus loin, il fallait dévaler la pente. La voiture n'attendait plus que de glisser dans ses sièges en cuir, et les passagères se précipitaient vers elle de toute leur force, malgré leurs robes moulantes et leurs talons hauts. À présent, il rit tous les 4. Even s'en réjouit en brandissant son chapeau noir. Soudain, le jeune homme fonce droit sur une patrouille en uniforme bleu foncé avec des bordures dorées. Les cadets lui courent après, lui coupant la route. « Tout va bien. Pourquoi les dames sortent-elles du café en courant ?» demande l'officier en détournant le regard des jeunes filles qui se sont soudain arrêtées de rire, se couvrant la bouche avec leurs paumes.
peut-être avez-vous oublié de payer? Ou bien ces braves combattants sont-ils l'avenir de la nation? Les cadets se sont figés derrière, attendant qu'une catastrophe leur tombe dessus. Paul parle plus fort en lui donnant un coup de coude. Tu es un gentleman. Mais Polly reste bouche bée. Le jeune officier a compris que, monsieur, vous lui avez même arraché la langue. Gloria s'est d'abord excusée, monsieur l'officier, mais mon oncle le marquis a ordonné de me ramener à la maison avant minuit. Arquant ses lèvres, la blonde retint la femme de chambre par la manche de son uniforme et ajouta « Il est 1h15. » Monsieur le gendarme, vous ne voulez pas que mon oncle soit fâché à la fois contre moi et mes amis, et en même temps contre vous, n'est-ce pas ? L'officier jette un coup d'œil attentif à Gloria, puis acquiesce. Les gendarmes se séparèrent, laissant la place aux jeunes femmes et aux champs, qui n'arrivaient pas à reprendre leurs esprits. Heureuse d'avoir la police pour nous garder, la blonde fit un clin d'œil en passant devant les militaires. « Nous ne sommes pas la police, madame, nous sommes des gendarmes. » Il porte la main à sa casquette d'officier. « Je suis le capitaine d'état-major de la gendarmerie, mon nom, mais son nom était noyé dans le grondement du moteur d'Émilie, appuyé sur le klaxon signalant gendarme, nous, les cadettes, agitions les mains. » Gloria envoya un baiser aérien d'adieu, et la voiture s'éloigna à toute allure du café bruyant et groggy. Elle leur a dit quelque chose. Folle. Se tournant vers Gloria, Camille chuchota quelque chose à ses universitaires, seulement la vérité, ma sœur. Je veux dire, sérieusement, elle les battait. Gloria a dit que la fille de la table du bout aimait les gars en uniforme, mais qu'elle n'osait pas les approcher en premier. Je vais vous montrer des gars en uniforme. Et un œil au beurre noir a failli sauter du siège avant de Camille. Les filles rient à nouveau, se remémorant tous les événements de cette soirée. L'heure ? Première soirée chez la couturière, seul Paul ne rit pas. Paul demanda carrément à Émilie dans le virage. « Tu prends à gauche ?» répondit Paul en s'agrippant au siège en cuir de la voiture. « Pourquoi as-tu un visage si sombre ?» Émilie regarda le jeune homme dans le rétroviseur, en tournant sur le boulevard. « D'accord, je m'amuse déjà. Même malgré les cris idiots de Gloria, je demanderai précisément à cause des cris idiots de Gloria, vint de la banquette arrière. » Paul enleva son chapeau, coiffa ses cheveux blonds ondulés en un carré, dénoua son foulard et regarda rêveusement autour de lui la lune faucille lointaine. En regardant bien, on pouvait se rendre compte que la mélancolie et Paul, ce n'est pas un mec. « Ol, tu as reconnu cet officier ?» demanda Camille. « Tu es resté bouche bée devant lui. »« Ça ne te ressemble pas, U, seulement moi » répondit la fille en costume d'homme, en gardant les yeux rivés sur le ciel. Sa voix n'était plus aussi grave qu'avant. De plus, elle prenait une note triste. « Je crois que j'ai été amie avec lui autrefois. »« Et il n'a pas eu l'air de vous reconnaître ?» Gloria a passé son bras autour des épaules de Polly. « Je suppose qu'il n'a pas l'habitude de te voir comme un garçon. » »« Mais il pensait déjà que j'étais un garçon à l'époque. »« Peut-être que j'ai beaucoup changé. » »« Je n'avais que 12 ans et lui 17. » »« Il courait après les ballerines et les choristes. » »« Il est beau. » »« C'est le genre de gars que j'aime. » »« Quand on le regarde, on sait que c'est un héros. » La voiture s'arrêta dans la cour d'une maison grise sans prétention, près du bazar. Émilie se garait, Camille fredonnait une chanson française. D'ailleurs, tout à coup, Paul reparle de Paul. Devinez comment il s'appelle ? Émilie a lancé Rick. Christopher. Il s'appelle Paul. La fille en costume d'homme rapprocha ses sourcils de manière significative. Elle sortit lentement de la voiture. C'était calme à la périphérie de la ville. On n'entendait que les bougies, le chien de Camille et le bruissement des hérissons dans les buissons. À peine les filles ont-elles quitté la voiture et se dirigent-elles tranquillement vers la maison qu'une lumière électrique s'allume au premier étage de la modeste demeure. Trois hommes s'avancent sur le seuil. Le vieux monsieur Stephen, haché menu, suivi de la gouvernante, madame Evelyn Poe, une femme assise aux traits doux et aux yeux bienveillants, et de son fils Christopher. Un garçon trapu. Était-ce amusant ? Demanda l'hôte d'un ton banal, en s'appuyant sur une canne dont le sommet était sculpté dans l'ivoire et avait la forme d'une tête de lion. Les filles l'ont racheté. Oh, tu es déjà arrivé. S'est emparé de Suzanne. Nous étions en train de découvrir la ville. Gloria a commencé à se justifier.
Je crains que vous ne soyez en train de mener une mission de reconnaissance ? Stephen était toujours aussi sinistre. N'est-ce pas pour cela que vous nous avez fait venir ici pour nous entraîner ? Gloria ne s'est pas arrêtée, elle a porté ses mains à ses côtés. Qui t'a dit que tu t'entraînais encore ? La voix de grand-père résonna de façon si tonitruante qu'un frisson parcourut le dos des filles. C'est-à-dire qu'Emily a murmuré du bout des lèvres. Si nous ne sommes pas à l'entraînement, alors à notre première course, termina sa phrase Stephen. L'ordre de rester tranquillement à la maison et de ne pas mettre son nez dans la rue est-il si incompréhensible pour vous ? Les filles se sont penchées et l'homme s'est approché de la respiration de Gloria. Tu as beaucoup bu ? Eh bien, nous allons voir qui a le plus bu. Venez, mes chéris, au sous-sol. Alex et moi avons tout préparé pour vous. Les jeunes filles, qui, il y a un quart d'heure, étaient des valkyries belliqueuses, se regardèrent et obéirent silencieusement au vieil homme. Elles descendirent dans la cave sur des jambes flageolantes et regardèrent avec effroi les chaises en bois dans les coins. « Mon Dieu, qu'avez-vous encore inventé ?» La jeune fille blonde était horrifiée. « Lequel d'entre nous est le premier ?»« Gloria, tu parles trop. Amène ton cœur par ici. Il est inconvenant d'enfermer une jeune femme dans une cave. » La fille avec l'œil sur Christopher. « Mais quand est-ce que ça t'a déjà arrêté ?»« Asseyez-vous, » ordonna le grand-père de Christopher. Et Gloria s'est assise. Son corps était maintenu par une lanière de cuir. « Stephen, vraiment, c'est trop !» chuchota Camille en étirant le bouton supérieur de sa robe fermée. Il se contenta de lui jeter un regard sévère et lui ordonna de le faire à son tour. En quelques minutes, toutes les quatre étaient déjà assises dans un coin. Il se tenait la tête. « Comment Madame Evelyn va-t-elle vomir ?» Stephen se tourna vers la gouvernante, qui observait la scène sans l'ombre d'une émotion. « Je suis très en colère. Très en colère. Mais que pouvez-vous faire ? J'ai besoin qu'elle soit tout en bonne santé pour demain. » Il dit cela et quitta la cave, laissant les filles en compagnie du petit ami de la dame silencieuse. L'hiver était pour Stephen une période de vacances qu'il s'était réservée. Des vacances qu'il n'organisait que très rarement, parce qu'il ne savait tout simplement pas comment s'y prendre. Il avait l'habitude de se promener sous les palmiers égyptiens ou de s'asseoir au moins une demi-heure dans un café. Mais la vieillesse faisait des ravages. Ses articulations le faisaient souffrir et sa tête était sur le point d'exploser sous l'effet d'une centaine de pensées, de tâches, de plans et d'algorithmes. On lui a conseillé d'aller dans les eaux ou de vivre quelques semaines dans un temple bouddhiste de l'Himalaya. Mais Stephen s'est obstiné à choisir l'atelier de tailleur. D'une part, c'était relativement proche de chez lui. Il prenait le train et se levait à la gare. D'autre part, le bruit courait que Stephen avait une APCE ici. Bien sûr, personne n'en parlait en public. Et si quelqu'un dans l'asile en parlait, c'était uniquement pour plaisanter. En général, Stephen était aussi loin de la romance qu'on pouvait l'imaginer. Sokolniki. Un vieil homme aux cheveux argentés, aux favoris, à la moustache et au menton toujours rasé de près, d'une sévérité inhabituelle. Il aurait pu être tout sauf un amant. C'est ce que pensaient les professeurs et les élèves en voyant son traîneau descendre la route forestière enneigée en direction de la gare. Stephen, plutôt sur le crabe, se prépara une boisson à la valériane et à l'aubépine et essaya de dormir. Sa tête lui faisait terriblement mal et il était bien décidé à ne pas s'attirer d'ennui, cette fois-ci, pour de l'argent. Au moins pour une semaine, il aurait 7 jours de misère pour lui tout seul. Stephen. Le portier ouvrit les portes de la loge du théâtre devant le gentleman. « C'est un plaisir de vous revoir, madame », et il s'inclina devant sa compagne. La femme rougit fortement et entra dans la loge. On peut dire d'elle qu'elle est simple, d'âge moyen, de taille moyenne. Incertaine, faible. Des cheveux colorés par le temps et des larmes dans les yeux. Quelques rides sur le front et au coin des yeux. Je suis toujours gênée quand je suis avec toi. La femme jette un châle blanc sur ses épaules, cachant sous celui-ci une robe neuve apportée de Vienne. Quand j'y pense, tu as toutes les filles de ton orphelinat, luxuriantes, roides, jeunes, intelligentes. Pourquoi viens-tu encore me voir ? Stephen. La location durait lorsqu'il était en présence de cette femme soi-disant ordinaire. Les mots restaient bloqués dans sa gorge.
Dis le mot et je t'emmène à l'orphelinat. Un mot de toi, Evelyne. Je suis allée aux toilettes une seconde. La femme l'interrompt en se levant de sa chaise. Le vieil homme s'appuyait des deux mains sur la rampe de velours rouge. Il regardait le chandelier de cristal et les niches dorées de la décoration de la salle d'opéra. Le ballet Capelle, ou, comme on l'appelait, la belle aux yeux bleus, Stephen l'avait déjà vu trois fois, mais il n'y était encore jamais allé avec Evelyne. Il sourit à ses pensées légères d'adolescent. C'est vrai ce qu'on dit, c'est chiant. Un poil de gris dans la barbe. Evelyne était mariée depuis 10 ans lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois à Porto, et maintenant la femme était hors de sa portée. Il pouvait de temps en temps écrire des lettres, les faire transiter par des exilés secrets, lui prendre furtivement la main, rendre visite aux couturières une fois par an, et rêver du moment où Evelyne quitterait enfin le chevet de son ex-mari, petit fonctionnaire de la Southwestern Railroad et propriétaire de plusieurs maisons de revenus. Sur une cascade de pensées. Stephen ne remarqua même pas le regard du gamin qui se déplaçait à vive allure entre les rangées du parterre. Le garçon n'avait pas plus de 12 ans. Il semblait être bien connu ici, surtout par les jeunes nobles et les officiers. Les médecins lui faisaient les poches avec des billets. Stephen, satisfait de son strabisme, comprit immédiatement à qui ces messages étaient adressés. Il se rendit également compte d'une autre chose. Le garçon au t-shirt vert à carreaux était en fait une fille. Oui, c'était une vraie fille. Madame Evelyne revint. Le spectacle commença bientôt, les tutus blancs des ballerines s'envolaient dans les airs. La musique était envoûtante. La main d'Evelyne, posée si docilement dans son bras, semblait à Stephen un miracle, de vrai. Vacances, qu'il méritait sans aucun doute. Et pourtant, il n'arrivait pas à oublier la fille en vert. À peine le premier acte terminé, Stephen se rendit à la cafétéria. L'occasion était très propice, car tout gentleman respectable se doit d'offrir du champagne et des bonbons à une dame au théâtre. Il était indifférent qu'avec sa richesse, il puisse commander au moins une douzaine de bouteilles directement dans la loge. À peine le vénérable gentleman s'était-il mis en ligne que la teinte verdâtre se glissait entre les queues de pirentrée et les robes de satin des théâtres. Stephen écouta. À son âge, la capacité d'écoute est émoussée. Mais si vous entraînez vos 6 sens pendant 40 ans d'affilée, en particulier l'intuition, vous commencerez à remarquer des choses que vous ne voudriez pas voir. Je veux dire, il est venu ici en vacances. Il est en vacances. Qu'il aille au diable. La jeune femme acceptait la bague, elle l'a acceptée. Alors à quoi bon devenir arrogant maintenant ? Prima ballerina, dit une voix étouffée derrière un lourd rideau de velours. Il semble que la vieille noble ait ardemment persuadé le garçon d'organiser un rendez-vous avec la sage mannequin de la taille et interprète du rôle principal. Je vais lui donner ceci. Vous entendez votre nom ? Liv Weir, hein ? Je dirai à madame que je l'attendrai après le ballet. Tu l'as, mon garçon ? Oui. Mais tu ne me comprends pas, contenant difficilement son irritation, le garçon répondit. Il répondit fermement, sans détour ni crainte. Je te le dis pour la 3e fois, la maîtresse a la migraine aujourd'hui, et elle a encore 2 actes à danser avec cette migraine. La semaine prochaine, elle déjeunera cordialement avec vous, vous écrira un contrat pour un autre ballet. Mais pas ce soir. Vous comprenez ? Pas aujourd'hui, ils vous feront venir. Zippy. Au-dessus de la fenêtre du foyer et furtivement, pour ne pas déranger les invités, tire la manche d'un grand blond en costume bleu. Glissant dans sa paume. Un papier enveloppé, cette peur s'évanouit entre les deux hommes. Le blond sourit. C'est comme ça que les ballerines obtiennent leur rendez-vous, pensa Stephen, qui fit quelques pas derrière le garçon, comme s'il avait malencontreusement placé sa canne sous ses pieds. L'enfant trébucha, mais garda l'équilibre. Le grand-père aux cheveux gris, qui semblait sur le point de s'effondrer, saisit soudain le garçon par la peau du cou et le jeta par terre. « Vous n'avez pas beaucoup de flair par ici. Ou peut-être que vous ramassez des gens honorables ? Faites-moi voir vos poches. »« Eh bien, ça sort. Qu'est-ce que je vois là-dedans ? Une montre en or ou un sac à main ?» Aussitôt debout, l'homme vif s'incline devant Stephen. « Je suis un messager, monsieur le messager. »« Et qu'en voyez-vous ? Je ne peux pas sortir les poches, monsieur. »« C'est confidentiel, confidentiel. » Et ma montre aussi est confidentielle.
Une foule s'est rassemblée autour de lui. Un homme blond en costume s'approche également, reste quelques secondes sans rien dire. « Frappez-moi si vous voulez, dénoncez-moi à la police. » « Mais je n'ai rien volé, je suis un messager, et il n'est pas digne de lire les lettres des autres. » « Que vous soyez un simple ouvrier ou le prince lui-même. » Le gros homme répliqua vivement, en lançant ses grands yeux verdâtres. « D'accord. » Le vieil homme se radoucit soudain. « Si vous êtes un messager, donnez-moi un rendez-vous avec Mademoiselle Prima. » D'un geste respectueux, Stephen retira l'anneau de rubis de son doigt et le tendit à l'enfant. Mais le petit garçon se contenta de lever le nez sur la maîtresse. « Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour la maîtresse. C'est pour toi. Sais-tu combien tu peux acheter avec cette bague? Tu as un messager ?» Et il m'a poussé avec mépris. « Tu crois que tu peux acheter tout ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qui ne peut pas l'être? La dignité, monsieur. » Le garçon ramassa une cartouche sur le sol, l'agita et la mit sur sa tête avec révérence. La première cloche du théâtre retentit. Regardant la foule qui l'observait curieusement, le garçon jeta un dernier regard à Stephen, mit la main sur sa visière en signe d'adieu et disparut dans le labyrinthe des couloirs du théâtre. « Stephen, dit-il en riant, n'a pas entendu quelqu'un le prendre sous le coude. « Qu'est-ce que c'est ?» Une Mrs. Evelyn Pall le dévisageait. « Pourquoi t'es-tu jeté sur cet enfant ?» L'homme toussa, se couvrant la bouche de la main. Les démons d'eux. La jeunesse se jouait de lui, êtes-vous la couleur de leurs yeux? Comment puis-je vous le dire? Bref, j'ai promis de ne pas travailler pendant au moins quelques jours. Mais, voyez-vous, ça ne marche pas. Avez-vous soupçonné que cette souris est une fille? Étonnamment, Madame Evelyn acquiesce, gardant les yeux gris et tristes de Stephen comme une brume matinale. Je connais cette petite, elle s'appelle Camille, c'est notre fille, la pensionnaire, vous savez? Sa mère, une ancienne ballerine, s'est faite engrosser par un prétendant si ardent qu'il lui a promis une montagne d'or et l'a finalement laissée avec un enfant. C'est une histoire vieille comme le monde. Jenna, notre locataire, était elle-même une enfant. Ses parents, originaires du Kazakhstan et enseignants, tous deux membres d'une famille calme et intelligente qui ne risque de parler à personne, ont décidé de laisser un enfant, de le mettre au monde et de l'élever. Elle a donc décidé de laisser un enfant, de le mettre au monde et de l'élever, et elle a été chassée du théâtre, ce qui est compréhensible. Et que voulez-vous recruter cette fille? Elle a grandi, soupire le vieil homme. Quel âge a-t-elle? 12, je le savais. Nous avons une règle, nous n'accueillons que des orphelins et pas plus de 10 ans. Il y a un deuxième appel. Je dois y aller. Je ne t'ai toujours pas apporté de champagne. Il est vide. Dit Evelyn en relâchant enfin son coude. « Tu sais, je crois que c'est vraiment celle que tu cherches. Vous pouvez me convaincre de tout, vieil homme. » Maîtresse Evelyn sourit faiblement pour la première fois de la soirée. « Que dit votre sixième sens ?» demanda la femme à voix basse. « Il ne vous a jamais déçu, n'est-ce pas ?»« Evelyn, je ne peux pas enfreindre les règles. Des règles que vous avez vous-même établies. » « D'accord, si vous arrivez à vous convaincre, venez à l'adresse. »« Qu'est-ce que j'ai écrit ?» Evelyn tend un morceau de papier arraché à son carnet. « Ce n'est pas une brasserie ?»« Comme un spectacle de variété. » »« Ou un café. » Evelyn acquiesce et un léger sourire se dessine à nouveau sur son visage. « Et vous pensiez que je n'allais pas dans des endroits aussi discrets ?»« Non, je suis juste en faveur de, embarrassé, Stephen. » Pour la première fois depuis longtemps, il était vraiment embarrassé. Evelyn en savait autant sur lui que n'importe qui d'autre. Mais pour la première fois en 10 ans, elle se sentait son allié complice dans ses entreprises d'espionnage. Pour la première fois depuis longtemps, une lumière vive brille dans ses yeux. Et pour la première fois, Stephen pensa au fait que, dès le début, Evelyn avait voulu être moins sa maîtresse que son associé. Dans ce cas, les vacances étaient définitivement annulées. Le lendemain, Stephen s'est assis dans une loge plutôt décente au théâtre de variété. En marchant, vous avez vu Madame Evelyn saluer des connaissances dans le parterre. Ici, dans l'établissement, il y avait plus de chances qu'une femme mariée de la classe moyenne soit compromise. Mais bientôt, Evelyn est entrée avec assurance dans sa loge et s'est assise à côté de lui. « On m'a demandé pourquoi j'étais ici. »« Et qu'avez-vous répondu ? »
Le prix du jury dans l'œil, Stephen miroite les 10 sourcils grisonnants de l'adolescent. La vérité. J'aide un recruteur à trouver de nouveaux talents pour son théâtre. Et j'ai un théâtre. Si vos jeunes filles se donnent en spectacle comme vous l'avez fait hier dans le hall de l'opéra, en quoi est-ce pire que du théâtre ? Ces derniers mots sont interrompus par une musique forte. Une marche est jouée et des danseuses en uniforme de hussard ajustés et à la jupe raccourcie apparaissent sur la scène. Les genoux à peine couverts, ils sont suivis par tout un chœur de gitans. Ensuite, un clown peinturluré et pas du tout drôle a essayé de flirter avec les dames présentes. Il y avait un dompteur de pitons. Deux danseuses américaines spécialement invitées ont levé les jambes en compagnie d'un amuseur avec un singe sur l'épaule et ont organisé un concours de beauté parmi les personnes présentes. Le pamphlet The Atteste se moque des défauts de la société bourgeoise. Lorsqu'une grande dame à la mode entonne « I'm a maiden ». Et il était minuit. « Tu es un dur, Stephen. J'ai perdu patience. Je l'ai cherché toute la soirée. Où est cette fille qui me cause tant d'ennuis et d'angoisse ?» Madame Evelyn regarde son compagnon avec désapprobation. « Avez-vous confiance en moi, Stephen ?» Sous ce regard plein de tendresse et d'une force féminine qu'il n'avait jamais vue, l'homme renonce. Il s'adosse à sa chaise et cesse d'attendre. Au même moment, une balançoire suspendue au plafond sort des coulisses sous un tonnerre d'applaudissements. Au-dessus d'elle, une jambe repliée sous lui et l'autre pendante, était assis un pierrot triste dans un costume en tricot noir et blanc. Une petite larme est tracée sur sa joue gauche. Derrière lui, deux visages sont incinérés. L'orchestre joue Vivaldi et Pierrot sur la balançoire se termine au rythme de la musique. « C'est elle ?» souffle Stephen. « C'est elle. » Et Tania ne pouvait détacher son regard. La créature semblait ne pas avoir d'os. La jeune fille culbutait facilement sur la balançoire, faisait des sauts périlleux et des sauts périlleux arrière, s'étirait avec ses orteils. Chacun de ses mouvements était pesé au centimètre près, une seule erreur de calcul et elle se retrouvait mutilée sur la plateforme en bois. Mais elle savait ce qu'elle faisait et son regard s'accrochait au spectateur. Et Stephen remarqua que l'histoire du malheureux Pierrot avait incité plus d'une jeune femme de l'assistance à s'essuyer furtivement les yeux. « Tu m'as convaincu ?» C'est tout ce que Stephen a pu dire, en souriant et en tapant des mains avec le public. Cette nana devrait rejoindre notre troupeau. Camille était en train de se démaquiller devant le miroir lorsque sa mère, inquiète, s'approcha d'elle, toujours vêtue du corset brillant et de la culotte rose courte dans lesquelles elle avait dansé le dernier numéro. Jenna prend sa fille par l'épaule. « Zippy, il y a un monsieur qui veut nous parler. Il dit que vous lui avez volé une montre en or hier. C'est vrai ?»« Maman, » dit la jeune fille avec indignation. Et si fort que toute la loge a tourné la tête. « Tu sais bien que je ne prendrai jamais celle d'un autre, » dit doucement la jeune fille en se mordant la lèvre. Cet homme est venu pour la faire chanter. Il veut que Camille le mette en relation avec Madame Prima. Il est si vieux et si grisonnant, et pourtant il est là. La jeune fille serra les poings avec colère, décidée à s'échapper. Mais dans la loge est déjà entré le propriétaire du théâtre, le longiligne Stepan Olegovitch, conduit par le bras du même vieil homme aux cheveux gris. « Peut-être avez-vous un bureau séparé ?» demande affectueusement le grand-père, en mettant quelques pièces dans la main du propriétaire. « Faites entrer celui-ci, vous qui êtes très vif, et la maman aussi. »« Qui est cet enfant ?» Le maladroit Stepan Olegovitch s'élança sur Camille, retenant juste à temps sa large paume. « Allez ensemble comme vous êtes. Allez-y avec votre maquillage et votre corset d'origine. Peut-être obtiendrez-vous la clémence du barin pour votre comportement. » « Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. » Il a tapé Jenna sur les cuisses. « Sur mes revenus, tout ton mauvais théâtre est conservé. » « Quel professeur chauve !» Jenna, indignée, prit sa fille par la main et disparut derrière la porte du bureau. Là, des lampes à pétrole brûlaient, éclairées par un papier peint jaunâtre bon marché et un ensemble sans prétention, une table, un canapé et deux chaises en noyer. « Je vois que vous n'êtes pas le bienvenu au théâtre. » dit Stephen d'un ton banal. Asseyez-vous sur le violon et le canapé. Vous aussi, asseyez-vous. Vous m'avez appris un bon proverbe. Il n'y a pas de vérité dans les pieds. Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce que cette fichue arthrite m'atteigne.
Malgré l'invitation, la mère et la fille se tiennent face au vieil homme, n'osant pas s'asseoir. Camille, en collant noir et blanc, maquillée de rayures, et Jenna, constellée de paillettes, une énorme plume d'autruche dépassant au hasard de sa moustache abîmée. « Dis-moi, vive, je ferais mieux de m'adresser à toi autrement. » « Camille, Camille, vieux, dis-moi sournoisement, sais-tu lire ? » À quoi servent ces questions ? La mère intervient, s'avance et couvre sa fille. « C'est parce que, chère Jenna, je suis la fondatrice et la tutrice honoraire de l'orphelinat. On peut appeler ça une école pour enfants surdoués. » « Je ne suis jamais allée à l'école, » répondit Camille, confuse. « Je sais lire, mais je n'écris pas très bien. Je ne pense pas être douée. » Soudain, elle ajouta « Et je ne vais quand même pas organiser un rendez-vous avec la dame. Sauf si elle le souhaite. « Asseyez-vous, » l'interrompit le vieil homme. « Bois un peu d'eau et prépare-toi à ce que je vais te dire. Je m'appelle Stephen. Il y a 20 ans, j'ai fondé l'orphelinat Artemis, une école d'intelligence pour filles. Nous ne sommes pas une organisation caritative. Nous sommes une organisation à but lucratif, indépendante du gouvernement, hors de son contrôle. Artemis forme les filles à devenir des espionnes de premier ordre et à la fin de leurs études, elles signent un contrat de 10 ans. Ça veut dire que je comprends ce que ça veut dire, interrompit le vieil homme. Jenna, si vous recueillez Camille, je prierai pour vous jusqu'à la fin des temps. Je suis une maman. Qu'est-ce que tu dis ? Maman ? Jenna s'agenouilla, croisant les bras sur sa poitrine, et Stephen dut même se lever et la soulever lui-même, puis lui faire boire 2 verres d'eau entier. Emmenez-la, emmenez-la loin d'ici, scandait encore la femme. Maman, pourquoi me souhaites-tu le bien ? Vous voyez, malgré les protestations de sa fille, Jenna a continué à se tourner vers Stephen, s'agrippant à l'ourlet de ses vêtements. Vous voyez, ce n'est plus une enfant, c'est une adolescente, presque une fille. Elle ne pourra pas longtemps faire semblant d'être un garçon, ni dans les couloirs de l'opéra, ni sur la scène. Et puis quoi ? Il n'est pas convenable pour une jeune fille digne de ce nom de se lever comme un serpent au-dessus de la scène. La scène du cabaret est si fragile, si peu affectée. La gloire du cirque, comme une bougie, s'enflamme et s'éteint. Vous ne savez pas comment passer d'une star à une fille de basse-cour. Camille. Après avoir écouté sa mère, le vieil homme se tourna vers la jeune fille. Une fois à Artemis, tu devras oublier ta vie habituelle. Tu disparaîtras de cette Émilie sans adieu ni explication. Demain, tu ne seras plus là et ta maman fera une déclaration de disparition à la police. Plus tard, ils rendront leur verdict. Disparue au combat, noyée dans le Dnipr, partie travailler au Canada. Camille Kakovskaya disparaîtra à jamais, comme le vivant. Comme le triste Pierrot. Et quelque part, loin, à des kilomètres de là, une autre jeune fille de 12 ans apparaîtra sous un autre nom, une orpheline adoptée par l'orphelinat Artemis. Est-ce que je vais y arriver ? Camille prononçait chaque mot avec force, comme si ce n'était pas des mots mais des arêtes de poisson logées dans sa gorge et du sang qui le divisait de l'intérieur. Revoir maman un jour. Le règlement dit que tu dois rompre tout lien avec ta famille. Mais pour toi, je ferai une exception. Tu pourras revoir ta mère, mais seulement après avoir obtenu ton diplôme et réussi ta première mission. Combien de temps cela prendra-t-il ? S'impatiente Camille. Qui est quoi ? Qui obtient sa première mission à 16 ans, qui n'est même pas prêt à 20 ans ? 18, que j'aurai mon premier devoir ? 18 ans et que je le réussisse ? Jenna fondit en larmes, s'agenouilla à nouveau et serra sa fragile Camille dans ses bras. Le mascara fuyait dans les premières rides du visage de la jeune femme encore très jeune, s'étalant sur le tailleur noir et blanc de sa fille. L'horloge de la ville sonnait déjà minuit. Dit tranquillement Stephen en prenant la main de Camille, qui restait immobile, le visage grave, sans une larme. « Maman, attends-moi, ne sois pas malade. Mange de la viande au moins une fois par semaine. » « C'est bien. De temps en temps, Madame Prima. Tu sais qu'elle est très malheureuse. Et ne t'inquiète pas, je reviendrai. Tu es Camille maintenant. Ne l'oublie pas. J'ai déjà une Camille. Pour éviter toute confusion, on vous appellera par des noms différents. Rester assis sans bouger sur des tabourets en bois est un plaisir très douteux.
Les autres filles ont déjà vomi et elles le tolèrent encore. Tante Evelyne, est-ce qu'il va nous garder comme ça jusqu'au matin ? Elle a terminé. Je sens que mes jambes n'ont plus de jambes. Il y a un cafard fou qui saigne autour de ma tête. Et vous le laissez faire ? On voit bien que Stephen n'est pas lui-même. Les années ont fait leur œuvre. Camille, notre longue connaissance ne vous sauvera pas. Il n'y a pas besoin de se faire dorloter. Pour se débarrasser de la punition, dit calmement Evelyne en s'installant sur le tabouret à côté de son fils. Injuste, d'ailleurs. Camille, ah ! C'est donc comme ça que Paul t'appelait, dit Gloria en riant. Oh, mon Dieu, chérie ! Je ne peux plus rire. J'ai mal au ventre. Pourquoi diable as-tu pris le nom de Paul comme celui de ton ami abandonné ? Camille intervient. Et comment connais-tu Madame Evelyne ? Trop de questions. Camille le sentait, sa tête tournait. Stephen. J'ai toujours su que vous vouliez ma mort ? Vieil homme sans valeur. Depuis le jour où il m'a accusé d'avoir volé sa montre. Tu aurais dû me recoudre sur place au lieu de me torturer pendant 6 ans. Stephen, la voix no. D'autres voix se sont jointes à nous. Relâchez-nous, s'il vous plaît. Nous ne recommencerons pas. Soyez maudits. Relâche-les, Christopher. Ordonne tranquillement Stephen, en jetant un coup d'œil dans la cave. Rassemblement à 6 heures. Ça veut dire que vous, mes chéris, avez moins de 4 heures pour dormir. Toi aussi, Stephen ? Toi aussi ? À peine audible, Camille dit en souriant malicieusement. Elle se tenait au mur d'une main. Elle était allongée sur le dos, regardant un insecte ramper sur eux deux. La flamme de la bougie vacillait sous les rafales de la brise fraîche qui soufflait au dehors, rendant moins insupportable l'atmosphère étouffante de cette nuit d'eau. Gloria, qui partage la chambre avec elle, est toujours en train de tripoter le miroir. Sa fine chemise de nuit, ornée d'une dentelle coûteuse, avait glissé, dissimulant ses taches de rousseur et ses longs cheveux épais éparpillés dans son dos. « Pourquoi es-tu revenue ?» lança Gloria par-dessus son épaule, remarquant le regard de Camille dans le miroir. Celui de l'insecte s'était reporté sur elle. « Tu veux me dire comment tu connais Evelyne ?» Elle mit ses mains sous sa tête et fixa le plafond d'un air rêveur, son regard transperçant le toit, transcendant instantanément l'espace et le temps. J'avais 8 ans lorsque ma mère m'a inscrite à l'opéra. Ancienne ballerine, elle avait des relations parmi les danseurs. Elle était amie avec le 6e danseur du 3e rang. Il s'esclaffe. Oui, la 6e danseuse du 3e rang, devenue prima donna. Et comment ? On ne me dira rien du tout. J'avais oublié que tu n'avais aucun sens de l'humour, secoua ses jambes Gloria. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Trop désireux d'entendre parler de la jeunesse d'un bel officier. C'est comme ça qu'ils t'ont fait entrer au théâtre en tant que garçon de course. Exilé entre de fervents admirateurs et leur famille. Laissez-moi deviner avec le strabisme de Gloria. Et Monsieur Paul, à l'époque, était un critique de gauche plein d'entrain, follement amoureux de la prima ballerina. Un léger sourire se dessine sur son visage. Non, il n'était pas amoureux de la prima, il était amoureux d'une danseuse rousse, d'une nouvelle fille du corps de ballet, puis d'un certain Christ. Le capitaine de gendarmerie Paula. Un grand cœur. Gloria fait tourner une mèche de cheveux dorés sur son doigt. Mais tu t'es allongée pour une personne sophistiquée comme toi. Un banal coureur de jupons n'aurait pas valu une ardoise vierge. Est-ce que je me trompe ? Un jour, je suis venue au théâtre avant la répétition du matin. Mes yeux étaient redevenus distants, rêveurs. C'était dimanche. La ville déserte semblait mystérieuse et triste. Même les concierges qui balaient chaque matin les feuilles d'érable tombées n'étaient pas là. À la porte d'entrée du théâtre, le dos appuyé sur une dalle de marbre et à l'abri de la pluie, était assis un cadet en uniforme blanc à épaulettes rouges. Il écrivait quelque chose dans un carnet, tout de côté. J'ai regardé par-dessus son épaule. Vous savez, je m'attendais à voir une lettre d'amour ringarde ou un pathos d'adolescent. Aimez vos yeux. Embrasse tes mains. Qu'est-ce que c'était ? Gloria luttait contre le sommeil. Sa curiosité l'emportait encore. La fatigue. Chacun a son propre paradis jusqu'à l'épuisement.
Chacun a son propre rêve. Qui pourrait encore endormir le délire des rêves? Cœur inquiet, pleurant d'excitation. Inaudible la nuit au cœur de Surgut. Avec quoi avez-vous grimpé jusqu'au phoque? Bravo, bravo, monsieur Paul. Frappa des mains Gloria, posa enfin la bougie et plongea sous le drap à côté de la jeune fille. Qui t'aurait cru si romantique? Tais-toi, lui coupa brutalement Camille en se plaçant de son côté du lit et en tirant le drap par-dessus. Gloria riait encore, mais sa respiration était bientôt calme et régulière. Dehors, il faisait jour, les coqs du matin chantaient fort dans les cours et les mésanges commençaient à chanter dans les arbres. Lorsque Camille s'assoupit enfin, elle rêva de son enfance. Une danseuse étoile grincheuse avec ses sautes d'humeur, ses vases cassés, ses cris, ses larmes et ses grossièretés de gare. Elle rêvait des heures d'entraînement exténuant au spectacle de variété, de la sensation d'ivresse de la scène et des centaines d'yeux qui vous transperçaient. Vous attendez de voir si un oiseau s'envole ou si tout se brise comme un vase de maîtresse chinoise hors de prix. Vous rêvez de la faim perçante et aiguë avec laquelle vous vous couchez et vous vous réveillez en sachant que la prochaine représentation aura lieu dans une semaine et qu'il n'y a pas d'argent pour acheter du pain. Et puis il y a le cadet qui vous raconte tous les secrets? Pensée, rêve et amour. Il peut parler et vous pouvez. L'écoutez, alors vous savez tout de lui. Et il ne sait rien de vous. Et il ne se doute même pas que vous êtes une fille en culotte courte et veste verte qui court dans les couloirs d'un théâtre aussi majestueux qu'inaccessible, décoré de velours neuf et d'or. Et puis il n'y avait rien. Il n'y avait que des forêts d'épicéas enneigées et des montagnes couvertes d'un manteau neigeux. En ce jour d'hiver, le soleil brillait si fort. Cela t'a-t-il fait mal aux yeux? Stephen mit le verre rond de ses lunettes de soleil sur son nez et il ne lui resta plus qu'à enfoncer sa casquette et à s'emmêler dans l'écharpe en éponge grise qu'il avait achetée à la gare auprès d'un vendeur ambulant. Plus il s'éloignait de la maison, plus le cœur de la jeune fille battait fort. Et lorsque leur traîneau arriva devant la grande porte traîtresse, qui servait manifestement d'unique entrée et sortie à la forteresse imprenable et fortifiée, elle faillit sauter de joie. Pendant que les voyageurs attendaient que quelqu'un ouvre le pêne dormant, la jeune fille regardait autour d'elle, essayant de se ressaisir. « Qu'est-ce que ça dit ?» Elle se tourna vers Stephen, lui montrant une plaque discrète au-dessus de la porte avec une inscription qu'elle ne pouvait pas lire. « Il y a écrit le nom de notre orphelinat en allemand, Artemis. » L'homme acquiesce et commence à expliquer. « Il s'agit d'une déesse grecque de la femme, conductrice, chasseuse, détentrice de la lune. » Nous sommes en Allemagne. Camille l'interrompit à mi-mot, le regardant avec de grands yeux intelligents. Nous sommes en Galice. Ces terres sont maintenant sous l'Empire austro-hongrois. Je vois. Elle répondit brièvement et s'emmêla plus étroitement dans son écharpe. C'est tout ce que tu veux demander. Tu n'as pas dit un mot depuis le début. J'ai 6 ans pour apprendre tout ce que je veux savoir. Dit une fille coupée du monde. Et Stéphane a sifflé. La décision d'amener de très jeunes orphelins à l'orphelinat n'était pas un simple caprice. Les petits-enfants, ne connaissant pas d'autre Émilie et n'ayant pas de parents à l'extérieur du mur, percevaient Artemis comme une seule famille, une seule autorité et une seule vérité. Le vieil homme se gratta le visage et le menton rasé et soupira. Sa Camille était une expérience qui pouvait réduire à néant 20 ans de travail acharné. Ou peut-être, au contraire, devenir une bouffée d'air frais, un exemple pour les pervers. Artemis. Pendant que Stephen réfléchissait, les portes s'ouvrirent. Les chevaux chargèrent et le traîneau s'engagea tranquillement sur le territoire d'une luxueuse propriété avec des statues de marbre et des gloriettes, des toboggans de glace et des patinoires, où l'on ajoutait des petites filles sous la surveillance d'une nounou. Au loin, il y avait une serre, derrière les murs de verre de laquelle les passants aux yeux rigides étaient de grandes filles. Les enfants se précipitèrent vers nous en poussant des cris joyeux qui obligèrent le cocher à retenir les chevaux. Stephen. Stephen est de retour. Vous êtes en avance, n'est-ce pas? Une superbe dame vêtue d'un manteau duveteux couleur neige s'est approchée du soldat. Je vois que les vacances sont terminées, ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil à Camille. Stephen, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on nous a amené le garçon avec du sang? Tache de rousseur couverte, nez, yeux marron. Une jeune fille vêtue d'un manteau court et coloré. Non, Gloria, tu te trompes, ce n'est pas un garçon.
regarde de plus près. Gloria a bien penché la tête, comme un long cou, et le regard de Loa se pose sur une obscure inconnue, un chemin encombré. De ce regard, Camille descendait. Stephen, tu as dit que seules les jolies filles sont emmenées à Artemis parce que les espionnes doivent nécessairement être jolies. Celle-ci l'est. Honnêtement, pas très jolie. À la moue de ses lèvres, la blonde tint sa langue. Laurie a haussé la voix contre elle. La femme en blouse blanche et Stephen l'arrête d'un geste de la main. De plus en plus de petites pensionnaires féminines de l'orphelinat convergeaient, regardant les nouvelles arrivées avec intérêt. « Tu sais, ma chère Gloria, pendant les quelques jours que j'ai gérés, j'ai soudain réalisé que nous n'avions pas seulement besoin d'une belle Artemis, mais aussi d'une Artemis grise et banale, qui peut disparaître dans la foule, que tous les habitants de la ville verront tous les jours et dont ils ne se souviendront même pas du visage. » Les yeux de Stephen, si calmes et profonds, glissèrent sur chacune des filles jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à nouveau sur la blonde. « Vous faites donc une erreur ?» La beauté se présente sous de nombreuses formes. Regardez Laura de plus près et jusqu'à ce que nous le fassions. Ne tirez pas de. Conclusion hâtive. Stephen fit signe au cocher et le traîneau se mit en route. Jusqu'au grand palais. Il est fait de briques blanches recouvertes de tuiles colorées avec une flèche, des balcons en bois, des galeries et une grande horloge sur la tour centrale. Voici votre nouvelle maison, adressa affectueusement Camille à Monsieur Frowendy. La gouvernante l'interpelle. Soyez gentil, préparez une chambre à la nouvelle, donnez-lui du linge, un uniforme et nourrissez-la. Qu'est-ce que je vous dis? Vous savez tout vous-même. La brune Frowendy, assez jeune pour son poste, lui sourit en retour. Elle est si mûre. Elle a mis la langue d'édique dans mon petit hérisson. Tu n'auras pas la tâche facile parmi les carcasses de nos serpents. Allons-y, mon orphelin. Je ne suis pas orpheline, me coupa Camille en exhibant ses yeux verdâtres. J'ai une mère. Madame Wendy, seulement surprise par Stephen. Et ce dernier acquiesça. Comment dois-je t'appeler? Avez-vous déjà pensé à un nouveau nom? Je l'ai fait. Pas pour les sacs avec la réponse, dit Camille en enlevant une cartouche pointue des martinets sur sa tête. Paul, on m'appellera Paul à partir de maintenant. La gouvernante toussa, cachant un sourire derrière cette toux. Après avoir corrigé son tablier et sa jupe creuse à la limite du cramoisi, Frowendy donna un léger coup de coude dans le dos de la jeune fille, et elles entrèrent ensemble dans le vaste hall d'un bâtiment qui ressemblait à la fois à une cabane forestière et à un palais royal. Même pour les habitués de l'opéra, cette maison semblait incroyable. Des choses apparemment indéchiffrables y étaient harmonieusement combinées. Camille leva la tête, regarda le grand lustre de cristal verdâtre en s'efforçant de ne pas montrer sa surprise. La jeune fille ne remarqua pas la neige qui tombait de ses parchemins en lambeaux sous la neige stagnante, laissant des flaques d'eau et ses bottes aux couleurs obscures de deux pointures de pluie qui répandaient de l'eau boueuse. Dans tout le hall d'entrée. La porte d'entrée grinça bruyamment derrière elle et une bande d'adolescentes entra en trompe depuis l'extérieur. Camille pouvait maintenant mieux les regarder. Elles étaient vraiment toutes belles et habillées comme des jeunes filles. Avec leurs jolis chapeaux, leurs petites blagues et leurs gants chauds avec des nœuds sur la caisse. Si Camille savait dessiner, elle aurait fait le portrait de chacune d'entre elles. « Les filles, faites connaissance !» Madame Wendy s'adressa à elles affectueusement. « Voici Paul Paul. » Pesée, elle s'incline. « N'est-ce pas un nom d'homme ? Et quel âge as-tu, Paul ?» Gloria s'avança, regardant Camille droit dans les yeux, d'un air de défi. 12, elle répondit en soutenant son regard. Et j'ai 12 ans. Depuis combien de temps es-tu entraînée? Formée? Tu sais que l'agence forme d'abord les enfants sur le terrain, puis les amène à l'orphelinat. Ils ont commencé à me former quand j'avais 5 ans et m'ont amenée ici quand j'avais 7 ans et demi. Je n'ai pas été formée. Regarde, elle n'a même pas été formée. Gloria regarde les autres filles. Dis-moi que tu as des parents et que j'ai une maman. Camille leva fièrement le menton. Maman! Tout le monde s'exclame. Artemis se rapprochait de plus en plus, le cercle se refermait. Et il me sembla que même la gouvernante devenait gênante. La jeune fille, repoussant Gloria, s'approcha d'elle. Est-ce que tu réalises au moins où tu vas? C'est un orphelinat.
Personne ici n'a de père ou de mère, ni même de grand-tante. Et si tu es si spécial, tu devrais retourner chez ta maman au lieu de te vanter devant nous. » Frau Wendy n'en pouvait plus et la regardait fixement. Ses joues étaient rouges comme de la râpure. Des betteraves. Si elle était là, c'est qu'il y avait une raison. Stephen n'aurait pas amené la nouvelle Artemis sans raison. « Qu'est-ce que tu en penses? Elle est si douée. » Gloria s'est enflammée. « Je parle 7 langues, dont 400 accents, et j'élimine 8 cibles sur 10 avec un revolver. Je connais la géographie et l'histoire au niveau des étudiants de l'université et de moi-même. Je connais la vie, » ponctua brusquement son discours. « Camille. Pendant que tu grandissais et t'épanouissais ici comme une sorte de surnom, je luttais chaque jour pour survivre, alors lâche-moi la grappe et ne m'adresse plus jamais la parole. Vous tous. » Elle se tourne vers les autres filles. Ne me parlez plus jamais. Elle a dit cela et s'est mise à courir dans les escaliers. Madame Wendy se contenta de secouer la tête d'un air désapprobateur, regardant la jeune Artemis avec désapprobation, et ramassa l'ourlet de sa longue jupe pour se lancer à la poursuite de Camille. Ne le prenez pas personnellement. Ils ne sont pas méchants, ils sont juste trop bêtes. Madame Wendy passa au russe. Je rattrape la nouvelle. Tu passes de la couturière à la poule, c'est ça ? Camille a acquiescé. Ils montèrent les escaliers en bois. Ils grinçaient à chaque pas. Une lumière vive et multicolore pénétrait par les vitraux, projetant des lapins de soleil sur les joues tombées au sol. Les filles, vous mangez, vous dormez et vous retrouvez Vanessa le soir. Elle vous initie aux coutumes locales. Elle établit avec vous un programme d'entraînement. Les escaliers, puis le deuxième étage, le troisième étage. Nous avons 32 filles qui vivent ici. J'essaie de remonter le moral de Camille. Vient ensuite la jeune femme de ménage, qui ajuste de temps en temps son mouchoir. Oh, on a mal calculé. 33, chacun a un plan d'entraînement personnel et une spécialisation. Marietta, par exemple, se plonge dans l'histoire et le droit international. Emily et Sarah travaillent dans le domaine de la technologie. Lakmi est meilleure en arts martiaux. 3 choses à faire. La suivante est Madame Wendy. On ne peut plus l'arrêter. Nous avons aussi des prodiges comme Gloria et Camille, que vous venez de rencontrer. Leur esprit fonctionne beaucoup plus vite que celui des autres. Oh, 5e étage. Il n'y a que des chambres libres ici. La gouvernante ouvrit les portes et Camille se retrouva dans une petite pièce propre et lumineuse, nichée juste sous le toit. Dans un coin se trouvait une table décorée d'une serviette en filet. À côté, il y avait un bureau, une armoire, une coiffeuse avec une lampe électrique, au cas où, une lampe à pétrole. Tout était petit, adolescent, juste assez pour tenir. Au milieu, il y avait un lit, surmonté d'un toit surmonté d'une immense fenêtre. Dans cette fenêtre, il y avait un ciel bleu d'hiver. Avec un tel ciel au-dessus de leur tête, ils étaient prêts à râler pour n'importe quoi. Le soir, elle voyait le soleil se détacher sur les montagnes, et la nuit, la lune l'éclairait. Le même mois que celui de sa mère, que celui de Madame Primet, et certainement que celui de Paul, qui ne saurait jamais où était passé le garçon vif, le messager, la danseuse étoile et son ami disparu. Camille s'affaissa sur le lit, impuissante, et regarda au loin. Après être restée un moment dans l'embrasure de la porte, la gouvernante soupira et sortit, laissant la nouvelle fille seule avec ses chagrins. Mademoiselle Vanessa arpenta la pièce sur la montagne, la nuit était tombée. Sans crier gare, le vent s'est levé et a conquis les fenêtres. Vanessa y a vu un mauvais présage. Elle croyait même entendre des loups hurler dans ce seau. Elle n'avait peur de rien dans ce monde, ni des araignées, ni du noir, ni de la mort, qui l'avait déjà regardé 100 fois dans les yeux. Mais les loups, pour une raison ou une autre, lui faisaient peur. Sans doute depuis que sa grand-mère lui avait parlé des goules. Mademoiselle Vanessa avait peur de tout ce qui ne s'expliquait pas rationnellement par les lois de la physique. Par exemple, elle ne pouvait pas expliquer pourquoi Stephen avait amené cette jeune fille de 12 ans qui n'était même pas orpheline. Qu'est-ce qu'il croit faire, ce vieux fou ? Il a toujours été bizarre, mais il est devenu complètement fou. Maintenant, il fait semblant d'avoir mal à la tête, alors il dort dans sa chambre. Mademoiselle Vanessa arracha son manteau de renard blanc de la chaise et l'enfila avec colère.
Une mèche de cheveux s'est échappée de sous son épingle à cheveux dorés magistralement arrangés, a volé hors de ses yeux et est tombée sur le sol. La maîtresse. La gouvernante frappa à la porte, jetant un coup d'œil dans le bureau. J'ai amené la nouvelle fille. Qu'elle commence à travailler. Souffla mademoiselle en sirotant un mur de dentelle blanche. Je n'en peux plus, elle devine. Le vieux grand-père ne nous dira jamais ce qu'il pense. Il veut toujours qu'on regarde ses charades. Et elle ne se tenait pas devant mademoiselle Vanessa, les yeux baissés et serrant timidement ses nouvelles jupes vertes gazon. Elle regardait son propre reflet dans la vitre du buffet et était encore plus indignée. Apparemment, Camille n'était pas à l'aise dans son uniforme de l'école Artemis. « Alors, dis-moi. » Vanessa s'assit sur la table en face d'elle, posant sa jambe sur son pied. C'était la même femme qui avait accueilli les nouveaux arrivants. La même femme magnifique aux yeux brillants bordés de flèches noires, au nez pointu et au cou de cygne qui dévoilait le profond décolleté d'une robe de velours. « Qui ? » a-t-il à dire ? La jeune fille lève les yeux vers elle en se déplaçant d'un pied sur l'autre. « Ton col est trop serré pour toi ? Ou bien n'y avait-il pas de chaussures à ta taille ? Et que se passe-t-il avec vos cheveux ? Ils sont affreux. Ne vous mordez pas la lèvre, madame. Je m'appelle mademoiselle Vanessa. Je suis la directrice de l'école et le bras droit de Stephen à l'orphelinat. » La jeune fille jeta un regard incrédule à la femme mademoiselle Vanessa. « Pardonnez mon impertinence, mais vous n'avez pas plus de 25 ans. » « C'est vrai. Et vous êtes effectivement impertinente et directe. » La directrice s'installe au bord de son siège. « Il y a beaucoup de place. Toutes les filles qui entrent dans mon bureau ne peuvent pas parler aussi librement. Mais je vais vous répondre. J'ai 32 ans. J'ai été la première d'Artemis et j'ai maintenant l'honneur de diriger l'école. J'ai sauvé une reine d'une tentative d'assassinat, arrêté un conflit militaire en Afrique et sauvé une relique d'une importante dynastie. Qu'en est-il de toi ? Et toi ? J'ai 12 ans. Pendant plus de 3 ans, j'ai fait semblant d'être un garçon pour gagner de l'argent et me libérer de mes dettes. Et je portais des vêtements de garçon. Voici donc le marché. Jupe, bas, tout ce qui ne sert pas et ne glisse pas. J'échangerais volontiers tout cela contre un pantalon confortable et une chemise moulante. Portez ce que vous voulez pendant votre jour de congé. Et s'il vous plaît, venez en classe en uniforme. C'est avec des gens comme vous qu'on fait des femmes. J'espère que vos cheveux poussent vite, sinon vous n'aurez nulle part où mettre un nœud. » Et ils allaient donner naissance à la bouche, mais mademoiselle Vanessa l'interrompit d'un geste approprié. « Vous ne parlez pas anglais, n'est-ce pas ?»« Non, madame. » « Alors, de quel trou vous a-t-on sorti ? » Vous ne pouvez pas au moins parler allemand en français ? Je connais quelques mots français. Mon ami est français du côté de ma mère. Il insère souvent des phrases, des mots. Des phrases. Vanessa se prend la tête. Dites-moi franchement, pour quel talent et quel mérite particulier Stephen vous a-t-il fait venir ici ? Et n'a pas piétiné sur place, ses joues ont rougi et ses mains se sont agrippées plus fort à sa jupe. Peut-être parce que je sais danser, dit la jeune fille en hésitant. Danser ? Cela m'a fait rire. D'accord. Vous aurez une danse. À 4 heures, dans la salle de bal. D'ici là. Mademoiselle Vanessa se mit à écrire rapidement avec un stylo automatique. Savez-vous au moins lire ? Je vais vous donner une routine de 7 heures à l'extérieur, puis le petit déjeuner. Géographie avec les plus jeunes. Français individuel, avec Madame Denise. Équitation, soins aux chevaux, déjeuner. Puis l'anglais, 7 ans, les sciences. Et puis la danse. Tu peux tenir ou tu peux t'enfuir. Je tiendrai, mademoiselle Vanessa inclina la tête en signe de révérence Camille, puis-je vous baiser la main ? Vanessa voyait les doigts de la nouvelle fille trembler, ses épaules se calaient sur les siennes. Elle sentait à quel point la jeune fille avait envie de se retourner et de s'enfuir à toutes jambes de cet endroit, malgré le blizzard et la nuit idiote. Elle sourit de manière prédatrice et tendit la main pour un baiser, pas un baiser. Calme, mesuré, soumis. Madame la directrice poussa un léger soupir. Elle connaissait bien ses filles, nées sans le sou. Le seul trésor qu'elle possédait était l'orgueil. Pas le péché mortel de l'orgueil, mais précisément l'orgueil,
une tige d'acier, sur terre et rapidement réduite au ciel, ne leur permettant pas de se briser. Elle le savait parce qu'elle était elle-même comme ça. C'est peut-être pour cela qu'Étienne l'avait entraînée, cette fille malchanceuse, vers ce surnom ridicule. Paul est encore en train de glousser doucement, relisant Ivanhoé ou la Divine Comédie pour la centième fois. « Je ne peux pas supporter ce vieil homme toute ma vie. Je ne suis plus. » Pro, grommelle Vanessa en retenant son souffle. Elle a failli quitter son bureau. Le matin, il y avait des congères sur la craie. La porte d'entrée s'entr'ouvrit difficilement et Artémie sortit de l'escalier, endormie, avec ses blagues et ses bonnets en peluche. Immédiatement, des pelles ont été distribuées et l'ordre a été donné de dégager la route. Ce n'était pas un mauvais travail pour ces dames épuisées. Elles acceptèrent à contre-séure les pelles et se rendirent dans les rues pour déblayer la neige. Le parchemin gris et le cartouche vert fleuri de Camille se détachaient parmi les couleurs vives et bigarrées. « Sur elle, le miroir, murmurait-il. » Camille saisit le manche de la pelle et se concentra sur la tâche à accomplir. « Ramasser et jeter. Ramasser et jeter. » C'est ce qu'elle ferait ? Suivre les ordres et faire profil bas. 6 ans ne devraient durer que 6 ans. Une boule de neige vola droit sur sa tête, faisant tomber sa cartouche. La neige froide la frappa par la peau du cou et commença à fondre rapidement sur son dos brûlant. « Qui a fait ça ?» s'exclame Klyushnikov. Gardant un œil sur les filles, personne n'admit. « Artémie !» Seules les filles rient, se couvrant de leurs manches. « Qui a fait ça ?»« Je te le demande ?» Il l'a répété. « Ne le prenez pas si mal. » Gloria parle d'une voix mielleuse, les lèvres pliées en arc. « Nous sommes des enfants. Je me fiche de savoir lequel d'entre nous l'a fait. Je suis sûre qu'elle l'a juste renversé. » Gentiment, puérilement. Le gentil Sam a toussé et s'est fondu dans la masse, sans un bourdonnement. Et il s'est remis au travail. Juste avant que la cloche du petit déjeuner ne sonne. Une autre boule de neige vola dans l'oreille d'Artémie. Elle était ciblée et dure. Madame Agnieszka, la professeure de géographie, se tenait entre les élèves et faisait tourner un globe terrestre avec confusion. Elle était dodue, sa voix était haute et elle était maintenant très excitée. Nous donnons des cours de français. Comment devons-nous être ? Les 5 filles, plus jeunes de quelques années, vêtues des mêmes chemises blanches et tabliers verts, la regardent avec surprise, comme si elles ne trouvaient pas de réponse. Comment ne pas savoir le français à l'âge si honorable de 12 ans ? Le cours particulier dans une salle séparée n'était pas si mal. Mais monter dans le stade couvert devint un autre défi. Surtout quand l'une des filles plus âgées laisse son cheval galoper. Et sans ses talents de gymnaste, Camille serait déjà hors de selle depuis longtemps. Enfin, la tour sonna 4 heures. Camille avait trouvé la salle de danse. Il lui semblait que la salle de ballet du théâtre où elle avait passé tant de temps n'était pas aussi luxueuse que cette salle d'école. Camille avait du mal à suivre le professeur. Son corps, habitué aux règles strictes du ballet et de la gymnastique aérienne, était complètement désorienté lorsqu'elle devait faire un nouveau mouvement incompréhensible. Elle se sentait engourdie et sa tête cessait de mémoriser les combinaisons. Intentionnellement ou accidentellement, mais Madame Vanessa entra dans le hall. Comme toujours, magnifique, avec une fausse robe sous la gorge et des gants noirs jusqu'au coude. Le cours s'est arrêté. Je ne voulais pas vous déranger. La jeune fille venait de passer pour voir Paul, le danseur mondialement connu. Mais elle ne m'impressionne toujours pas, dansez-vous au moins la valse ? Ou la politique ? Je ne sais pas comment faire. Je baisse les yeux. Camille, réalisant qu'elle s'est trompée elle-même. Vous ne savez pas ? Alors pourquoi Stéphane t'a-t-il emmenée à l'école de danse ? Pourquoi tu ne vas pas lui demander ? Comme un chiot blessé, demande Camille. Je lui demanderai bien, dit le directeur, mais il n'a pas quitté sa chambre de la journée, prétextant une rage de dents. Camille n'a pas compris. Tu veux dire qu'il t'a laissé à mes problèmes et qu'il a disparu sans un mot. Continuez vos cours. Madame Vanessa fit un signe de la main et quitta rapidement la pièce. Le martèlement furieux de ses talons résonna dans le couloir. Le cours continua, mais Camille n'arrivait pas à se sortir les mots de Vanessa de la tête. Bien sûr, personne d'autre que Stéphane ne saurait comment elle avait miraculeusement atterri ici,
comment elle l'avait mérité. Est-ce que tout ce qui l'entourait suggérait qu'elle n'était pas à sa place ici? Au dîner, Camille piochait dans son assiette, impuissante, dans cette pièce bondée et bruyante. Camille se sentait aussi seule qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. « J'aimerais pouvoir disparaître, tomber dans le sol ici et maintenant. » Fini les maux de tête de Stephen. Elle s'enfuirait chez elle comme une star, tournerait sur la scène d'un café tout en restant tapie dans la loge d'une danseuse étoile jusqu'au soir à écouter des histoires de terrain et à s'endormir au son de la berceuse de sa mère. Mais ils ne s'enfuiront pas. Elle ne s'enfuira pas. Elle l'a promis. Et ce n'est qu'une fois dans sa chambre, seule avec la pleine lune aperçue par la grande fenêtre, que la Camille forte sous son nouveau nom de Paul a cessé de retenir ses larmes, versant du rose sur ses oreillers en duvet. Le temps s'étire aussi lentement qu'on peut l'imaginer. Chaque jour, Camille se forçait à sortir du lit, à brosser ses cheveux qui tombaient lentement de l'acier mais qui dépassaient encore. À enfiler un chemisier blanc sous sa gorge, une jupe inconfortable. Les nouvelles langues Émilie bisou dans la tête. Les mots anglais et français s'envolaient sans s'attarder, les mots allemands passaient. Toutes les sciences étaient simples et faciles à comprendre. Les mathématiques semblaient être une alphabétisation chinoise. Le printemps arrosait peu à peu la neige. Stephen était déjà revenu d'où il était, et on ne pouvait jamais savoir avec certitude s'il disait la vérité, s'il était sournois ou s'il plaisantait. Les enfants, avec lesquels Camille avait la plupart de ses cours, l'évitaient aussi, considérant qu'elle était une tringle et qu'elle ne connaissait pas les choses élémentaires. Mais les autres préféraient éviter la nouvelle fille. Ce jour-là, en sortant de l'école et en remarquant le groupe de camarades autour de la table du jardin, elle s'apprête à prendre un autre chemin par habitude. Mais juste devant elle, manquant de la faire tomber, Gloria courut dans ses manteaux colorés, le visage rouge de colère. Les cinq Artémis assises à la table étaient en train de dessiner des croquis de robes. Elles allaient les commander à une femme d'Odessa qui allait arriver. Gloria s'est approchée des filles, a arraché le papier et l'a jeté dans la terre. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» s'écrie Camille, la grande amie de Gloria, en gonflant les joues. « Il t'a mordu ? Ou tu es comme ça depuis que tu es petite ?» gifle la fille de la prostituée, s'exclame Gloria, encore plus rayonnante. « Je ne m'attendais pas à quelque chose de gentil de ta part. Mais de la méchanceté. Qu'est-ce que tu as dit de moi ?» Seule la vérité fit claquer les cils de Camille, lui donnant un air d'innocence, ce qui fit paraître encore plus grand ses yeux déjà si luxueux. « Je t'ai dit que tu séchais la moitié de tes cours parce que tu te croyais trop intelligente pour eux. Je lui ai aussi dit que tu voyais le garçon d'écurie et qu'il nous rendait souvent visite. Du foin frais. Presque tous les jours, il apporte du pain d'épices au miel. » Camille roula des yeux, sourit d'un air rêveur et montra à tout le monde ses dents blanches et droites. Les filles de la table se mirent à rire. Un instant plus tard, la poupée de Gloria volait déjà en direction du petit visage de Camille. Celle-ci se retourna et posa un pouf. Gloria tomba sur le sol mouillé de neige, mais réussit à attraper le cou de sa rivale avec sa main. Une seconde de plus et les deux filles grimpaient déjà sur le sol froid, se meurtrissant avec la boue et le sang du gant à gaz. Elle est restée là, bouche bée, à observer les filles. Les autres amis d'Émilie et de Camille se levèrent de leur siège, mais n'osèrent pas non plus se mêler à la bagarre. Ce n'est que lorsque Sam arriva sur le pas de la porte avec un manche à balai et fouetta les deux jeunes filles avec la branche de bouleau qu'elles se séparèrent enfin de part et d'autre en se léchant les babines et sur la première herbe printanière de sang. Cet incident fit réfléchir Camillette. Il lui semblait que toutes ces petites plantes d'intérieur fleuries vivaient dans leur propre monde parfait, sans pitié ni souci, sans les fantômes du passé. Elle était enfermée dans son propre chagrin et ne pensait même pas au fait que chacune des filles de l'orphelinat avait sa propre tragédie cachée derrière un manteau aux couleurs vives. Alors, pensive, elle se rendit à l'étage de la tour centrale où se trouvait la chapelle, près de l'horloge. C'était un endroit qu'elle avait trouvé par hasard, en explorant le domaine. Plusieurs fois. Camille était venue ici, se cachant du bruit. C'était toujours vide. Mais cette fois-ci, il y avait une jeune fille assise au milieu du temple, une parfaite inconnue pour Camille. Elle posait sa tête couverte d'un châle sur ses genoux, les mains tendues en prière devant elle. Elle s'apprête à reculer. Mais la moitié du plancher de bois craqua et les priants furent surpris par ce bruit inattendu.
Je suis désolée, je ne voulais pas vous effrayer, dit-elle. Non, ça va, la jeune fille lui sourit. Je suis Nancy et tu es Paul, dit Camille, gênée, en s'appuyant contre le mur. Je ne t'ai jamais vue à l'école, mais tu portes notre uniforme. Tu es la nouvelle. Nancy rit. Tu te moques de moi ? J'ai 20 ans, je suis une vieille dame. Je m'entraîne depuis quelques mois. Tu t'accroupis ? Pourquoi es-tu debout ? Elle s'est approchée timidement et s'est assise sur le tapis à côté de Nancy. Vous savez, je vivais à Londres, là où vivent les pauvres. Ils m'ont fait suivre un cours d'infirmière et m'ont envoyé toutes sortes de petits boulots de temps en temps. De vraies missions de formation, soupire Nancy. Et j'ai échoué lamentablement au dernier. Je suppose que je suis la plus vieille Artemis ici maintenant. Et quelle est la mission à laquelle tu as échoué ? Les voix s'enflammaient et elle se sentit brûlante. Elle aussi ? Camille passera des examens jusqu'à ce qu'elle soit très vieille et ne pourra jamais devenir ni une vraie Artemis ni un vrai agent ? C'est même drôle d'y repenser. J'étais censée trouver un emploi de danseuse au cabaret du coin. Ils embauchaient tout le monde et ils m'ont refusé. Mais pourquoi ? Camille haussa les épaules. Son compagnon la regardait avec des yeux bruns, clairs comme l'ambre, avec du feu dedans. Pas de technique, pas d'art. Mes juges ont rendu leur verdict. Je pensais qu'ils me prendraient au moins pour mon joli visage. Mais, voyez-vous, j'ai vécu toute ma vie ici, à l'orphelinat. J'ai appris à être le centre d'attention. De la comtesse à la servante. Je peux jouer le rôle et tirer sur un homme sans hésitation. C'est prouvé. Mais quand je suis sur scène, la vraie scène, je perds le contrôle de moi-même en un instant. Je ne sais plus quoi faire. En avez-vous parlé à Stephen ? Bien sûr que oui. Il ne se rend pas compte que ce genre de tâche n'est pas pour toi ? Pourquoi ne te donne-t-il pas autre chose ? Nancy a ri, et ses joues présentaient de jolies fossettes. Il n'y aura rien d'autre. Stephen m'a fait comprendre que tant que je n'aurais pas surmonté mon trac, mon démon personnel, il ne me confierait pas de véritable mission. C'est cruel. Camille est sortie. Stephen est assez cruel en général. Nancy sourit tristement. Mais c'est peut-être pour cela qu'il dirige le meilleur réseau de renseignement de Russie. Tu veux bien ? Camille leva soudain les yeux vers sa nouvelle connaissance et lui dit « Je vais t'apprendre à ne pas avoir peur de la scène. » « Qui es-tu, Nancy ?»« Je suis nouvelle. » « La jeune. » Fille lève fièrement le nez. « Je m'appelle Paul, j'ai 12 ans et j'ai grandi dans une boîte à costumes dans les coulisses du café. »« Fais-moi confiance. » »« Tu es une fille étrange. » Paul remarque que Nancy se penche en arrière et que je m'appuie sur mes coudes. « Tu sais, les Artemis adorent parler d'eux, mais détestent t'écouter. Et ils détestent aussi aider parce que tout le monde veut être le premier dans le cours. Je crois que c'est pour ça que je ne suis jamais venue ici. » dit Camille. « Tu ne vivras peut-être pas, mais tout le monde devra s'entendre avec toi. » « Tu verras, » fit Nancy en clignant de l'œil. « Alors, c'est quand le premier cours ? » ?»« Même maintenant, la salle de bal est vide le soir. » Nous commencerons par des chorégraphies classiques. Les bases. Le raccourci vers la salle de bal passait par la cuisine. Les filles décidèrent de se pencher discrètement, afin que le cuisinier ne s'en aperçoive pas par hasard et ne les gronde pas. En entrant précipitamment dans la salle, elles enlevèrent leurs chaussures et allumèrent le gramophone. L'orchestre joue un morceau de Vivaldi, le favori des blessés. Alors, au métier à tisser ? J'ai donné l'ordre. Le plus jeune et l'aîné, après en avoir écouté 6, se sont redressés et ont facilement posé une main fragile, presque transparente, sur la barre. Oui, le printemps jouait, l'été commençait, suivi du bruit de l'automne. Tirant une dernière fois l'orteil de Nancy et enroulant douloureusement son talon à l'intérieur, Camille donna un nouvel ordre. Maintenant, on va improviser. D'un signe de tête, la jeune fille désigna le centre de la salle. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Et si tu me montrais et que je recommençais ? Non, chère Nancy, ce n'est pas possible. Entendez-vous la musique ? C'est l'automne. Imaginez que vous êtes devenue une feuille d'érable, que vous tournez, que vous tombez de l'arbre. Dit Camille.
et Nancy se prenait vraiment pour une feuille d'érable. Et même chaque mouvement était mesuré, délibéré. Naturellement. Les filles virevoltaient dans une danse qu'elles ne connaissaient que pour elles-mêmes, ignorant que des yeux curieux les observaient derrière la porte entrouverte. Nancy ne remarqua que la manche duveteuse d'un manteau de renard blanc qui passait par l'entrebâillement. Peu à peu, les montagnes environnantes perdaient leur manteau de neige, se couvraient de verdure, les oiseaux se déversaient sur les décombres. Elle voulait sauter par-dessus la clôture et courir loin. Très loin, là où se trouve, selon la légende, le lac enchanté. Elle ne comptait pas non plus les bleus dus au combat de Kung Fu et à l'équitation, elle n'était plus capable de distinguer les langues. Et enfin, elle a maîtrisé les bases de la danse du ventre, a appris la polka, la mazurka, la valse. Un jour, un professeur de sciences m'a parlé de la force d'inertie. Eh bien, elle vivait de l'inertie. De quoi rêvez-vous ? Nancy est venue s'asseoir à côté de moi sur une balançoire cachée au fond du jardin. Il y a longtemps qu'ils étaient tombés amoureux de cette balançoire humide et qu'ils s'y réunissaient le soir. J'ai de bonnes nouvelles. Je pars pour le Québec dans une semaine. Il y a là-bas un cabaret avec un casino souterrain qui emploie déjà une de nos Artemis. S'ils me prennent comme danseuse, Stephen a promis de me confier ma première vraie mission. J'en suis ravie, fit Camille en lui prenant la main et en souriant. Mais c'était un sourire triste. À côté de Nancy. La vie à l'orphelinat ne semblait pas si sombre. Et maintenant, elle va partir, elle aussi. As-tu commencé à aménager la chambre ? J'espérais que tu pourrais m'aider, dit-elle joyeusement. C'est tellement étrange de danser pour soi et d'oublier le public. Ici, on nous a toujours appris à vivre pour le spectacle, pour attirer l'attention. C'est si étrange de ne pas être réel. Et non, se balancer sur l'océan dans sa tête. Tout dépend du point de vue. Voici le ciel, par exemple. Nancy montra la lueur rose. Il est bleu, n'est-ce pas ? Pourquoi fait-il semblant d'être castor, jaune, régimentaire le soir, et devient-il noir et étoile Wayne la nuit ? D'un point de vue physique, le ciel n'a pas de couleur, rien n'a de couleur du tout. Ce sont juste les longueurs d'onde des ondes lumineuses qui changent. Ce n'est que dans nos yeux. C'est de cela que je parle. Tout dépend de l'angle de vue. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose ici. Connaissez-vous les cartes de tarot ? Non, j'ai secoué la tête. V. Golenish Chef. La grande botte. Nancy avait une poche secrète. Elle y gardait toujours un petit couteau bien aiguisé. On ne sait jamais à quoi peut servir un couteau à complot, disait-elle. Aujourd'hui, un jeu de cartes miniatures se trouve à côté du couteau. Ce sont des cartes à jouer inhabituelles. Elles peuvent dire la bonne aventure, murmura Nancy d'un ton sinistre. Peut-être que tu préfères être diseuse de bonne aventure et travailler dans un cabaret. Pensée grecque. Tu ne manquerais pas de clients. Ombre et beauté, murmura Nancy sans changer de ton. Ouah ! Voilà les heureux siffleurs. Nancy, basée sur le rôle de la diseuse de bonne aventure, est l'ancienne déesse romaine de la chance. La fortune. Elle est inconstante et ne tourne pas toujours le dos à un pauvre homme, mais peut écraser l'empereur lui-même dans la boue. Elle ne se soucie pas de qui se tient devant elle. Elle est aveugle. Et aujourd'hui, ma chère, la fortune vous est revenue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Murmurez ce n'est d'heure en heure, je vais gagner les cartes de propriété et aller vivre au bord de la mer. Ça veut dire que tu auras ta chance pour ne pas la rater. Il se mit à murmurer à nouveau. Il fit tourner la carte dans ses mains. Camille se contenta de hausser les épaules. Elle voulait déjà appeler son amie à l'intérieur, mais elle vit quelque chose d'effrayant. L'une des tours de leur majestueuse demeure disparut comme un feu d'artifice de Noël. La carte lui échappa des mains. « Que s'est-il passé ?» s'exclama Nancy avec anxiété. Mais Camille courait déjà dans la cour, le regard dans le feu. Il lui semblait que les tours à gauche de sa tour de guet préférée étaient en flammes. Y avait-il quelqu'un ? Les servantes sortaient déjà de la maison en courant. Le vieil apprenti clé courait vers la lance à incendie. Le palefrenier s'affairait à la réserve d'eau. Il dévisse les fusibles. « Je suis là. Sauvez-moi, je suis là. » À peine audible,
La voix vient du haut de la tour dont les planchers de bois menacent de s'effondrer. Mademoiselle Vanessa se précipite dans la rue, en robe de chambre par-dessus ses sous-vêtements. Sa maison brûle, son école brûle. Une école conçue à partir de dessins d'enfants de la toute première Artémie, avec trois hautes guérites, des galeries et des balcons en bois. Mais ce qui était terrible, c'était la tour en flammes qui abritait la bibliothèque. Hurle sa tutrice. « Je ne peux pas descendre, il y a du feu partout !» s'exclame-t-elle. « À l'aide, à l'aide !» C'est Zoya, l'une des enfants de 7 ans. Quelqu'un murmure avec horreur dans le dos de Vanessa. La gouvernante Wendy appuie sur le bouton d'alarme et les filles sortent en masse, sautent dans leurs chaussures et s'enveloppent dans des couches. Une seule chuchote à l'intérieur, se frayant un chemin à travers la foule. « Arrêtez ! Où vas-tu ? » Vanessa cria après l'ombre verte, mais celle-ci tapait déjà des talons sur les marches de la tour de l'horloge centrale. Et Nina éloigne la folle, ordonna l'une des plus grandes filles, la directrice, qui regardait l'échelle sortir de sa ceinture, examinant le bras hydraulique. Il lui semblait, à elle, ancien agent d'Artemis, que tout était fait très lentement et très négligemment. Elle était sur le point de se précipiter elle-même dans la tour en feu lorsque la même ombre apparut de la fenêtre du gardien central, juste devant le cadran. « Oh, mon Dieu !» Vanessa se serra la tête en apercevant Artémis Trigenov. Elle l'avait entendu crier plus d'une fois. « Ah, bien déchiré, bibigon !» Elle jeta un coup d'œil à Madame Vanessa, puis à la tour en flammes, et sans hésiter s'élança sur la corniche, sautant rapidement sur le balcon de bois relié à la bibliothèque. « Et maintenant ? Comment es-tu descendu ? Le tonnerre vous aurait porté. La fumée obscurcit le sommet de la tour. Je ne vois pas très bien. Les cavaliers ont dressé une échelle pour gravir les marches, mais Nancy les a devancés en donnant des coups de pied dans le ballon. Elle a grimpé elle-même, tenant l'extrémité du tuyau hydraulique dans sa main. Malgré tout, l'échelle Watteau était courte et il n'y avait aucun moyen d'atteindre le sommet de la tour. Soudain, du haut de la tour, attachée par une corde, sous le coffre, commença à descendre Zoya. Elle se plaça sur le balcon et jeta la corde sur une barre métallique, comme un levier, faisant lentement descendre la petite fille de 7 ans. « Je la tiens !» s'écria Nancy. Sans réfléchir longtemps, elle coupa la corde avec un couteau qu'elle sortit du tibia de sa botte. Elle dépose la tremblante Zoya sur l'escalier et la remet aux hommes en bas. Ils ont couru jusqu'en bas, ont ouvert l'eau. Mais impossible de faire reculer les longs escaliers de bois. Le balcon commençait déjà à s'effondrer. Je les ai entendus se tromper, saisir l'air par la bouche, descendre le long de la corde. De toutes ses forces, Mademoiselle Vanessa cria. « Si vous n'y arrivez pas, je vous tue moi-même. » Elle acquiesça, attachant un bout de corde. Elle commença à descendre. Reprenant son souffle, Artémie observa l'action quand soudain la corde se rompit et de la poussière s'envola du haut du quatrième étage. Vanessa eut envie de fermer les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle était engourdie par la terreur. Ses yeux restèrent ouverts. Le champ tomba directement sur un chariot de foin qui était sorti à son insu de dessous le balcon. Madame Vanessa regarda autour d'elle et vit Gloria, Camille sœur et Mera s'éloigner de la charrette, prétendant que c'était Dieu ce qu'elle mérite. Les tours ont continué à brûler pendant un long moment. L'incendie a été éteint, mais la bibliothèque n'a pas pu être sauvée. Et même si Camille n'aimait pas beaucoup lire, elle avait de la peine pour cette belle bibliothèque. Elle était allongée sur un lit à l'hôpital. Elle rêvait de s'endormir et d'oublier. Mais elle n'y arrive pas à cause de la douleur. Sa peau était très chaude et sa gorge était irritée par la fumée qu'elle avait avalée. Longtemps barbu, l'ambulancier, dont Camille, pour une raison ou une autre, s'était déjà méfié, s'est avéré être un oncle sympathique doté d'un excellent sens de l'humour. Heureusement, les brûlures sont sans gravité. Il n'y aura même pas de cicatrices. Où voulez-vous en garder quelques-unes pour commémorer vos exploits? N'importe où, sur la joue, sur les omoplates. Nous vous ferons de belles cicatrices. Nous vous ferons de belles cicatrices. Il fait un clin d'œil et agite le scalpel en l'air. « Ce n'est pas drôle du tout !» déclara froidement Mademoiselle Vanessa en entrant dans la chambre d'hôpital et en lançant au médecin un regard qui lui donnerait envie de ne plus jamais plaisanter. « Laissez tomber,
Mademoiselle Vanessa, répliqua Camille. Il m'amuse, c'est tout. Il dit qu'il a besoin de votre autorisation pour m'injecter de la morphine. Au mot morphine, la directrice se rabaissa, mais hocha la tête d'un air approbateur. Juste une petite dose. Juste pour vous aider à dormir. La douleur se durcit. Vous avez eu un problème avec la morphine ? Demanda Camille sans embâge, en souriant faiblement. Ce n'est pas parce que tu es devenue une héroïne aujourd'hui que tu as le droit de me poser des questions provocantes. Dit-elle comme si elle me coupait la parole. La femme s'assied sur le bord du lit. Quand Stephen reviendra, il pensera à une punition pour votre désobéissance. L'ordre était de quitter la pièce, et je me cachais de l'injection. Camille. Comment se s'envoya ? La directrice désigna d'un signe de tête le lit voisin, sur lequel la petite fille de 7 ans dormait paisiblement. « Je n'avais pas de mal à dormir à son âge non plus », grommela Camille en essayant de s'enfouir plus profondément sous les couvertures. L'ambulancier se mit à rire, et même. Maîtresse Vanessa ne put retenir son sourire. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi ce vieil homme vous a attiré chez nous », marmonna la directrice en se mordant la lèvre. Vous savez que notre Stephen se trompe rarement. Mademoiselle Vanessa hocha la tête d'un air approbateur. Eh bien, rétablis-toi, Artemie, dit-elle en se levant. Et quand tu seras rétabli, viens me voir pour le thé. Nous devons discuter de quelques changements dans votre programme. La langue maternelle est annulée ? Chuchota Camille avec espoir. Non, en aucun cas. Mais des chorégraphies classiques ont été ajoutées. « Dites-moi, pouvez-vous enseigner aux filles les bases du ballet ?» Si on lui avait annoncé qu'elle était devenue reine d'Angleterre ou qu'elle avait gagné un abonnement d'un mois, la jeune fille n'aurait pas été plus heureuse. « Mademoiselle Vanessa, puis-je vous baiser la main ?» La voix de nos trembla et s'interrompit. À peine Camille était-elle revenue en classe, encore ligotée à plusieurs endroits par des bandages, qu'elle se rendit compte qu'elle n'avait pas le droit de faire de l'exercice pendant toute sa vie. Interdite d'exercice pendant un mois, elle réalise que son monde a basculé. Pas à 180 degrés, mais au moins à 90 degrés. « Bonjour, Paul. Comment te sens-tu ? Pendant que tu étais malade, nous avons étudié les fuseaux horaires. Tu veux que je t'explique le premier méridien de Greenwich ? Les plus jeunes tournaient autour d'elle comme un filet. Et Weir est un gaucher et un enfant de 7 ans qui a la bougeotte. Doya n'a pas du tout appelé le chant de sa sœur. Et les professeurs montraient soudain plus de respect pour la nouvelle fille. Seule Gloria a lancé sarcastiquement pendant la réunion des clins d'œil « Comment aimes-tu la morphine ? Tu en prends encore ?» Elle ne s'est pas sentie offensée. Après tout ce qu'elle avait vécu. C'était le moindre des mots. Dans la salle à manger, elle rencontra une mère à calme et posée et lui sourit chaleureusement. Ce jour-là, Artemie n'avait aucune idée de l'endroit où un acte aussi spontané, intuitif et véritablement héroïque les mènerait tous les quatre. Après tout, c'était eux qui avaient sauvé l'infortunée Camille et qui avaient réussi à atteler la charrette de foin juste à temps. Le soleil se couchait derrière les montagnes. Elle s'assit sur la balançoire et regarda les ouvriers terminer leur travail. Son pied. La balle s'est faufilée dans l'herbe et s'est accrochée à quelque chose. La carte de la roue de la fortune gisait là où elle était tombée il y a quelques jours. Il semble à la jeune fille qu'un léger sourire se dessine sur le visage de l'ancienne déesse romaine. Ou peut-être que non. Peut-être que la fortune aveugle lui a vraiment souri avec son étrange et mystérieux sourire. Quand les adolescentes se transforment-elles en hirondelles ou en visages ? Écriture d'un essai de Camillet en français. Elles se mettent à rêver de rêves avec de jeunes officiers, de bals somptueux, de nuits blanches et de rencontres fortuites dans le jardin de la ville. Elles rêvent du bon parti que leur père finira par choisir pour elles. Je ne serai pas malhonnête en disant qu'Artemis est indifférente à l'amour et à toutes ses filles romantiques. Mais il est évident qu'aucune d'entre nous ne considère le mariage comme le sens de sa vie. Quand Artemis a 15 ans, elle attend une invitation pour son premier stage. Il peut s'agir d'un village de pêcheurs ou d'une troupe de cirque itinérante, d'un palais impérial en Chine ou d'un gratte-ciel dans le centre de Manhattan. La pratique nous apprend à nous adapter et à nous habituer à la vie en dehors de l'abri, parmi les gens ordinaires. Chacun d'entre nous doit apparaître comme une star, attirer l'attention des passants, charmer, ravir, être dans le collimateur sans éveiller les soupçons.
c'est ainsi depuis 20 ans. Mais le monde change. Il y a une grève en Amérique. Les femmes prennent le volant. Les femmes sont de plus en plus prises au sérieux, ce qui nuit à notre cause. Alors qu'il y a quelques années, une femme belle et intelligente à un bal ne suscitait que des applaudissements, elle attire aujourd'hui de plus en plus de regards curieux. Quelque chose ne va pas chez elle. C'est pourquoi Stephen lui-même a remarqué que, dans les conditions modernes, les traditions d'Artémie doivent être révisées. Parfois, il vaut mieux se cacher et se tapir, être banale et grise comme moi. Elle écrivit et déposa sa plume. Elle jeta un coup d'œil au miroir convexe accroché au mur. Elle avait devant elle une jeune fille adulte de taille moyenne, bronzée par le pouvoir, banale à l'exception de ses yeux verdâtres, encadrés par de longs cils noirs sous la pointe des sourcils. Ses cheveux poussaient terriblement lentement et atteignaient à peine ses omoplates. Elle les tordait et les ordonnait avec une épingle à cheveux chinoise. Le résultat était moyen, rien d'extraordinaire. Pas étonnant qu'on ne l'emmène nulle part, que ce soit pour s'entraîner ou pour une vraie mission. À moins d'un an de son 18e anniversaire, elle n'avait jamais quitté l'orphelinat pendant son séjour. Elle avait visité le village voisin et s'était faufilée quelques fois vers les sommets montagneux adjacents. À l'extérieur de la fenêtre, les chevaux rugissent. La fillette sauta sur le lit, ouvrit la fenêtre, en sortant la tête, vit Camille. Elle chevauchait dans la rivière, cachée sous son chapeau. Tout le monde était sûr qu'elle ne reviendrait jamais à l'orphelinat. Elle avait fait son premier stage à 14 ans à peine. On n'a plus entendu parler d'elle pendant 2 ans. Artemis pensait déjà qu'elle avait passé tous les examens et qu'elle était maintenant en mission. Mais ils se sont trompés. Camille, qui était presque priée par les professeurs, adorée par Madame Vanessa et même par Stéphane lui-même. Elle a échoué à l'examen en silence, sans saluer la foule qui l'entourait, est descendue de la rivière et s'apprêtait à entrer dans la maison, lorsque Gloria est apparue sur le seuil. Une étoile brille à nouveau dans notre humble ciel, elle sourit largement. Félicitations! Bon retour parmi nous. J'ai entendu dire que tu avais aussi échoué. Camille lui coupa la parole. Si on pouvait tuer d'un regard, Gloria serait déjà couchée à bout de souffle. On dit que tu as été placée comme gouvernante dans une gentille famille française. Et tu as flatté leur fils aîné par inadvertance. C'était vraiment un accident. Gloria a fait une grimace angélique. Les jeunes hommes sont tellement débridés de nos jours. Sur quoi t'es-tu endormi? Attention à ton nez. Et ne l'enfonce pas là où tu ne veux pas. Camille jeta l'épaule d'Igor, entra, s'assit sur le lit et soupira. Si même ces filles douées pour tout échouaient? Alors que dire d'elles? La jeune fille se dirigea vers les toilettes et la table et en sortit un tiroir. Elle en sortit 3 médailles brillantes. Elle en avait reçu une pour avoir sauvé Zoé, une pour son travail et une l'année dernière pour avoir organisé un ballet. Il y avait aussi un vieux cartouche vert qui rappelait le monde d'où Artémie Paul était. Venu. On frappa à la porte et, un instant plus tard, Waya s'allongeait sans cérémonie sur le lit, balayant l'air de ses pieds et contenant difficilement sa joie. « Tu as appris que Camille est de retour ?» commença-t-elle avec fougue. « Même. Seulement, j'ai dit, non. » Remets les médailles dans le tiroir discrètement. Pourquoi est-ce que maîtresse nous donne un quiz d'astronomie à la fin de la semaine? Oui, je sais. La jeune fille l'a balayée d'un revers de main, n'étant pas d'humeur à parler de ses études. Camille fit rouler les yeux de sa camarade, l'ancienne élève de 5e s'accrochant vraiment à elle comme si elle était la sienne. Et que Stephen vient pour un mois et emmène certaines des filles les plus âgées en Russie? Vous le savez aussi. Cette fois, Ananitz gémit, comme s'il réfléchissait. « Je pense qu'il va certainement te choisir. »« Tu comprends ?» fit Camille en haussant les épaules. « Laisse-la faire ce qu'elle veut. »« J'ai beau m'asseoir sur mes livres, je ne pourrai jamais être comme toi. »« Parfois, je me dis que tu ne sais pas te réjouir des petites victoires, de l'excentricité de Zoé, ou de la joie en général. »« Si je pars en mission, sourit enfin Camille, je te ramènerai des friandises. » Si tu pars en mission. Lentement, Aïr répondit d'un ton inattendu et sérieux, Waya, alors tu passeras l'examen et tu ne reviendras plus jamais ici. La salle principale du palais était inondée de lumière électrique.
Une Artemis en tenue de fête attendait l'apparition de Stephen et de Mademoiselle Vanessa pour commencer enfin le dîner de gala à l'occasion de l'anniversaire de cette dernière. Et lorsque Stephen, au bras du directeur, entra enfin dans la salle d'Artemis, les prix se levèrent de leur siège, saluant la fêtée, vêtue d'une somptueuse robe rouge vif. « Ma chère Artemis, » commença affectueusement Stephen en faisant signe à tout le monde de s'asseoir. Il avait encore vieilli ces dernières années, rayonnant de chagrin, mais il n'avait pas perdu la lueur laiteuse de ses yeux. « Aujourd'hui, nous honorons notre plus ancienne Artemis, » précisa prudemment le chef des gardiens. « Mais par expérience. Mais avant de commencer les festivités, j'aimerais faire plaisir à Mademoiselle Vanessa en lui offrant un cadeau. Ce cadeau, c'est mon expérience. La première mission de l'équipe d'espionnage de l'orphelinat d'Artemis. Les filles ont chuchoté. C'est vrai. Avant, chacune d'entre vous recevait une mission individuelle, et après avoir passé tous les examens pratiques, vous deveniez une solitaire. Sachant que vous vouliez tout vous échapper de l'orphelinat dès que possible et commencer votre vie d'adulte. Cette fois-ci, ce sont les filles comme Artemis qui auront cette chance. Stephen fait une pause et les filles retiennent leur souffle. La personne qui est la plus douée avec les voitures et les appareils photos, qui prend un fusil en quelques secondes et qui court le 100 mètres le plus vite. « Émilie !» s'exclament les filles. La salle applaudit à tout rompre, et la jeune fille se contenta de sourire modestement en arrangeant ses enviables cheveux bruns. Un visage qui, malgré sa petite taille, n'aurait pas peur d'affronter deux ou même trois hommes bien taillés au corps à corps. Il serait difficile de citer une science que cette jeune femme ne connaisse pas. Les meilleurs orateurs se taisent quand cette fille parle de politique et de droit civique. Camille. Des voix s'élèvent. Émilie serra son amie dans ses bras avec joie et jeta un regard triomphant à peine perceptible à Gloria. Une personne née avec un revolver dans les mains est capable en mathématiques et aux échecs de calculer habilement les combinaisons gagnantes au jeu de hasard. La salle s'est mise à rire. Tout le monde regardait déjà Gloria avec envie et un plaisir caché. Tous sauf Camille Senior, au fond des yeux duquel tremblait l'indignation et la véritable terreur. « Je n'irai pas avec elle. » Elle se leva d'un bond de son siège. Et tout le monde tourna la tête vers elle en même temps. « Asseyez-vous. » La voix d'Étienne fit reculer Camille sur sa chaise. « Personne ne t'a donné le droit de vote. Tu as même échoué à l'examen élémentaire. » Il continua, régulier et calme. Et le dernier membre du groupe, le visage qui a réussi à unir, au lieu de désunir, le visage sur lequel je fonde beaucoup d'espoir, ne brûle pas dans le feu et n'a pas le vertige. « Paul !» crient les camarades de Camille, en lui tapant joyeusement sur les épaules. Elle-même est assise à table, et Svania est morte. Elle est en route pour remplir sa mission. « Paul !» « C'est vrai !» s'exclame Gloria Johanna d'une seule voix. Oui, les filles, Émilie n'en pouvait plus. Prendre les responsabilités d'une senior, c'est prendre ça comme une aventure de plus. Toutes les quatre regardent autour d'elles d'un air méfiant. « Mes chers oiseaux !» s'adresse Stephen. « Dès demain, je vous demanderai de faire vos valises et de vous préparer pour le tourbillon. D'ici là, vous faites la fête ? Nos cuisiniers ont fait un excellent travail aujourd'hui. Artemis, tu as pris les couteaux et les fourchettes, versé le kisel aux cerises, le gramophone a joué la 9e symphonie de Beethoven, et Mademoiselle Vanessa a ri de son beau rire de poitrine, répondant à la blague de Sam. Seules les quatre filles n'ont pas pu avaler une bouchée du rôti. L'aventure qu'elles attendaient avec impatience, qu'elles redoutaient, qu'elles fantasmaient, allait commencer demain. C'est cette aventure qui les a amenées dans ce café malheureux de la boutique de la couturière. Elle rencontra sa mère, et son bonheur ne s'arrêta plus. Après la punition, il s'avéra qu'elle n'avait pas failli à sa mission et qu'elle avait rusé avec ses amis en laissant tomber un étranger. Tout s'est déroulé rapidement. Elle s'acquitta de sa tâche avec ingéniosité. Elle s'assit jusqu'au matin avec l'enfant prima ballerina de sa vieille connaissance, et tard dans la nuit, elle s'assit au bar, où elle se rendit jusqu'à son objectif. Il était soupçonné d'espionnage et il fallait fouiller son appartement pour ne pas laisser de traces. L'étranger est sorti fumé et a vu une femme en larmes assise sur un banc au loin. Un bébé pleurait frénétiquement. « Jeune fille, ce n'est pas bien de faire une erreur ici. Vous devriez rentrer chez vous.
Mon mari avait trop bu et m'a attaqué. Je me suis échappée de justesse. Il n'y a nulle part où aller. » Elle a sangloté faux, mais tout à fait naturellement. « Tenez. Ce n'est pas loin. » L'étranger tend un trousseau de clés et dicte son adresse. « Allez-y. Je ne rentre pas chez moi ce soir. J'ai un petit rendez-vous avec une dame, et demain matin nous irons voir votre mari. » Elle n'a eu aucun mal à rentrer chez elle. Il lui a suffi de 3 heures du matin pour trouver la cachette. Elle a emporté les dossiers et laissé la porte de l'appartement ouverte. Mission accomplie. L'agent est revenu, a à peine franchi le seuil et n'en a pas cru ses yeux. Le tapis au sol avait été déplacé. Il avait été si imprudent dans son état d'ébriété, faisant confiance à une femme avec un bébé. Comment avait-il pu trébucher de la sorte? Il arracha frénétiquement le tapis. L'homme vérifia la cachette, elle était vide. Prenant une profonde inspiration, l'espion sortit une fiole de derrière. Son sinus et la but d'un trait. Les affaires et la vie étaient terminées pour lui. Le reste d'Artemis était déjà en disgrâce. Les brillantes jeunes filles prodiges avaient dû retourner à l'orphelinat. Elles avaient échoué à leur examen. Mais l'affaire les avait unies. Elles ne se disputent plus. Le soir, un adieu éclatant a lieu. Les filles savaient que le même Paul serait présent au bal. Le bel homme qui avait vécu pendant des années dans l'imagination de la belle Camille. Gloria murmura avec colère à l'oreille de son amie. « C'est vraiment injuste. Nous avons toutes combattu les fantômes de notre passé jusqu'au bout. Et tu restes pour le dernier jour ? J'ai accompli la mission. Ce n'est pas là que se trouve la mission. » Gloria désigna la porte où Stephen buvait du thé dans la pièce voisine. « Est-ce qu'elle est là ?» La blonde porte la main à son cœur. « Tu as beau courir pour la fuir, tu ne peux pas t'échapper. » « Je le sais. » Gloria ouvrit le placard, en sortit une robe verte, digne d'une déesse romaine, des perles et un beau chapeau. « Où as-tu trouvé tout ça ?» Camille a été surprise. Travailler dans une maison close a ses avantages. « Alors, quel rouge à lèvres dois-tu mettre avec cette robe ?» Les filles sont arrivées tôt. Jenna Gajewski et la maman de Nina attendaient déjà sa fille, serrant joyeusement la main des autres. Artemis. C'est alors qu'un jeune homme est apparu à l'entrée, vêtu d'une simple chemise claire et d'une veste d'été. Des boutons de manchette en argent brillaient sur ses manches et ses chaussures étaient cirées. Même dans l'ombre de son chapeau, Camille pouvait reconnaître son visage, distinguer les traits fins et familiers de son menton et de son nez, sa silhouette si familière. Gloria donna un coup de coude à Camille. « Ça fait mal. Voudrais-tu venir lui dire bonjour ?» Elle se contenta de secouer la tête négativement. « Si vous n'aimez pas du tout cet officier, je peux l'avoir pour moi ?» Il ne l'a pas dit. Il est même venu à l'hôtel. « Qu'est-ce que ça va ? Être un œil au beurre noir ou des cheveux différents ?» Non. Mais l'officier Paul a déjà levé la tête vers les tribunes, avec un sourire affable, il a salué les filles. « Madame, votre fille est une vraie psychopathe. » Elle se tourne vers sa mère Gloria. « Vous imaginez, elle a peur d'avouer à l'homme dont elle est amoureuse ? Je pense que c'est à cause de son manque d'estime de soi. » Elle expira brutalement de son tableau comme d'un ballon de baudruche. Il lui semblait que si elle ne le faisait pas, elle éclaterait de colère ou arracherait carrément les yeux de Gloria. Mais après tout, sa vérité, c'est que Gloria avait raison. Remettant son parapluie à sa mère, Camille releva l'ourlet de sa longue robe et descendit rapidement les escaliers. L'officier de gendarmerie Paul se tenait ainsi à l'entrée du complexe sportif, regardant d'un œil embué une jeune femme aux cheveux courts, gantée et chaussée d'un chapeau à talons hauts, descendre vers lui. Il a mille confirmations. Sa mère se tenait sur le podium, mais le capitaine d'état-major n'arrivait toujours pas à croire qu'il s'agissait bien d'elle. « Je suis venu vous remercier pour votre aide. Vous êtes magnifique, » dit-il en prenant la main de Camillette. Un instant plus tard, il courait déjà dans la rue en entraînant la jeune fille avec lui. « Et, laisse-moi partir !» supplia Camille. Elle s'opposa à l'officier. « Vous n'avez pas le droit. C'est vrai ? Qu'est-ce que vous êtes ? De quel droit disparaissez-vous et réapparaissez-vous dans ma vie ? » L'officier le regarde dans les yeux et disparaît. Les larmes brillent dans les yeux du militaire.
Tu m'as tellement manqué, je t'ai tellement aimé. Ne me demande rien. Une fille est entrée, je ne pourrai pas te répondre. Et demain je disparaîtrai à nouveau, alors ça ne sert à rien. Réponds-moi à une seule question. Pourquoi es-tu vraiment venu me voir? Parce que je t'aime. Ce n'est pas la lumière du soleil qui a touché la glace, c'est le regard de ses yeux jaunes noyés. Et il n'y avait pas vraiment de glace, seulement la peur de la laisser à nouveau si près de lui et de lui dire au revoir pour toujours.